C'est parti. On vous entend ? Oui. Voilà, donc bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs. J'espère que vous nous entendez aujourd'hui, parce qu'après une grosse semaine de préparation, pour pouvoir vous diffuser ce streaming live de 8e tour de Coupe de France entre notre équipe du FR Haguenau et le FC Saint-Louis-Neuwegg. Voilà, on espère que tout fonctionne très bien. En compagnie de Antoine Habert, Tom à la vidéo et Angel pour la vidéo aussi. On est très très content aujourd'hui de vous recevoir ici au Parc des Sports, bon, sur le synthétique, hein, derrière, vu que le terrain devant est impraticable, malheureusement dû aux conditions météo. Antoine, tu confirmes, il y a vraiment tout qui a été fait pour pouvoir préparer ce match dans les meilleures conditions. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce stream. En effet, nous jouons sur ce terrain synthétique à l'arrière du Parc des Sports et non sur le terrain d'honneur. En effet, tout a été mis en œuvre pour que ce terrain synthétique soit praticable et dans les meilleures conditions pour que les deux équipes puissent s'affronter aujourd'hui. Donc on remercie les agents de la mairie qui ont travaillé toute la semaine pour que ce terrain soit au mieux, en tout cas pour que on puisse voir un beau spectacle aujourd'hui. Ouais, très très important. Voilà, on remercie, hein, encore une fois, que ce soit nos partenaires au FR Haguenau, mais de même la mairie, la ville de Haguenau, tous les agents, hein, tu l'as dit, du Parc des Sports, qui font en sorte que ça tourne vraiment très très bien. Donc là, on aperçoit Monsieur le Président qui vient nous rendre une petite visite de loin. Monsieur le Président, bonjour. Donc voilà, 8e tour de ce Coupe de France, on va peut-être rappeler le parcours des deux équipes. Donc on va essayer de vous afficher le parcours du FRH lors de cette Coupe de France. Donc au 4e tour, victoire 9 buts à 1 face à l'AS Gundershofen, 2-0 lors du tour numéro 5 face à l'US Oberlauterbach. Le tour numéro 6, victoire donc face à la FAIG, voilà, dans des conditions malheureusement qu'on connaît et qu'on respecte. La semaine dernière, face au 06, victoire de Buzyn à la dernière seconde avec un pénalty signé Erwan Madi. Et donc nous voilà aujourd'hui, 8e tour, face au FC Saint-Louis-Neuwegg. Antoine, je te laisse peut-être présenter le parcours de nos adversaires du jour. Oui, tout à fait. Et puis à préciser, voilà, donc contre le FCK, c'était vraiment pas un match évident. On les salue encore une fois, très belle performance de leur part. On rappelle, c'est une équipe quand même de Régional 2. Donc trois niveaux en dessous de notre équipe de Haguenau National 2. Donc on les salue, hein. Donc pour le parcours de Saint-Louis, au troisième tour, ils ont battu le RS Richwiller 4-0. Ensuite au tour 4, 2-1 contre les Strasbourg Pierrot Vauban, donc belle victoire. Tour 5 contre Cornimont 3-0.
Et puis 6ème tour, 6-0 contre AS Heimbrum. Et 7ème tour, pardon, très, très beau match également, très serré, hein, contre Hombourg O. Un but partout et puis au tir au but, au bout du suspense, 9 buts séance, à 8. Séance apparemment, d'après les dires qu'on a, interminable du côté de Hombourg. Donc voilà, pour se plonger du coup un petit peu plus dans ce 8ème de finale de la Coupe de France, on va vous proposer la vidéo résumée du match FCSK 06 FR Agno, vidéo qui nous est réalisée par Big Bo. Tom qui est là, vous le voyez pas, hein, mais qui est là et qui s'occupe de toutes les vidéos du FR Agno. On le remercie aussi grandement, hein, pour voilà, le temps qui se prend pour le club, et puis voilà, qui sont des vidéos quand même très très qualitatives, hein. Donc voilà, vidéo résumée du FCSK 06 FR Agno du 7ème tour pour se plonger un petit peu plus dans cette rencontre. Et après jeu. Voilà donc pour cette petite vidéo signée Big Bog Productions, ce résumé du FCSK 06 FR Agno. On espère à nouveau un résultat positif pour nos rouges et bleus aujourd'hui, bien entendu, qui permettrait de continuer ce beau petit parcours en Coupe de France, et puis pourquoi pas de, voilà, de continuer à rêver tous ensemble, bien évidemment. Voilà, autre chose, actualité aussi avec les vacances scolaires qui arrivent du côté du FR Agno. Nous organisons un stage foot, donc pour tous les jeunes qui souhaitent s'y inscrire et partager quelques moments voilà, de sport, accompagnés d'éducateurs et puis de personnes compétentes. Je pense qu'Antoine, à mes côtés, tu vas pouvoir présenter un petit peu ce stage foot que l'on organise. Oui, tout à fait, Manu. Donc oui, comme il l'a dit... On voit l'affiche sur votre écran, donc ce sera durant les deux semaines de vacances. La première semaine, c'est un stage avec un peu en deux temps, un stage futsal avec une partie soutien scolaire. Donc c'est vraiment pour essayer d'amener les garçons non seulement à participer au sport, mais aussi avoir un petit temps calme
de soutien et d'aide avec la participation d'enseignants qualifiés de l'éducation nationale. Et puis la deuxième semaine, deuxième stage du 1er au 5 mars cette fois-ci. Et donc ça c'est un stage aussi en deux temps, une matinée uniquement futsal avec un groupe et une après-midi avec un autre groupe futsal. Donc voilà, ça c'est les deux stages, on espère qu'ils pourront avoir lieu hein, parce que ces deux stages sont organisés pour que ça se passe en salle. Et au jour d'aujourd'hui, malheureusement, les sports en salle ne sont pas encore autorisés. Mais voilà, vous pouvez vous inscrire, bien évidemment. Et puis, en espérant, en croisant les doigts, hein, que ça ait lieu. Voilà, pour ces stages. Donc, petite précision hein, quand même très importante. Hein, toujours pareil avec le respect du protocole sanitaire en place. Voilà, on le rappelle aussi pour aujourd'hui. Toute cette organisation, toute cette mise en place voilà, nécessite aussi bien sûr ce protocole bien spécifique à la tenue de cette Coupe de France. C'est pareil, on vous accueille malheureusement masqué, on voudrait bien vous faire un petit sourire, mais n'ayez nul doute qu'on voilà, on est très content d'être là en tout cas, hein. Ça ne se voit pas forcément derrière nos masques, mais bon, on sent aussi un petit peu privilégié, Antoine, de pouvoir assister à un match de foot. On sait que ça manque à beaucoup de personnes et on tenait voilà, à vous en faire profiter de par ce live. Tout à voilà, fait. En même temps. Donc, concernant à nouveau le stage foot, pareil, Big Bog Productions nous a préparé une petite vidéo. Parce que bon, c'est toujours un petit peu plus simple de présenter les choses en vidéo et puis ça parle un petit peu plus. Donc, Tom, tu peux lancer la vidéo concernant le stage foot. On a 115 enfants qui sont là durant toute la semaine. Ça permet vraiment d'avancer très largement sur la préparation avec tous ces entraînements qui sont faits en une semaine. Vous partez en jonglage à la ligne blanche. Objectif de voler, de toucher la barre. D'accord ? Donc je pars en jongle, de voler, je touche la barre derrière. Il y a une évolution sur le terrain, bien sûr, au niveau footballistique, mais aussi dans les règles de vie. Les garçons doivent manger ensemble, les garçons doivent débarrasser la table à la fin du repas. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça qui sont importantes aussi. On travaille aussi sur pas mal de projets sur l'éco-citoyenneté, sur la santé. Donc on sent que les garçons sortent avec pas mal d'apprentissage de ces stages. Vrai ou faux, est-ce que le maillot de l'équipe de France de football est fabriqué à partir de bouteilles d'eau recyclées ? Tu penses que c'est vrai ? Et toi, Issan ? Ouais, bonne réponse. Voilà, superbe petite vidéo. À nouveau pour vous présenter donc ce stage foot. Antoine, on rappelle juste les images du stage qu'on vient de voir. C'était le sud-est de l'année dernière. Hein, c'était le stage en octobre. Donc le stage en octobre l'année dernière. Il me semble, ouais. Octobre 2020. Soit en octobre, soit en août, mais c'était un des deux où ces images ont été tournées. Allez, parfait. Mesdames et messieurs, 13h46 ici au Parc des Sports. Donc H-14 minutes avant le début du match. Donc voilà, on tenait aussi à vous présenter, en profiter de ce stream pour vous présenter une autre partie du FR Haguenau, parce que le FR Haguenau c'est certes une équipe 1 en National 2, une équipe réserve en R1, toute une structure au niveau de la section des jeunes, tout à fait. Mais aussi des féminines dont malheureusement voilà, il y a eu quelques départs cette année, donc il n'y a plus d'équipe dans toutes les catégories. Voilà, au niveau de la section des jeunes, après voilà les sections seniors, et on a toujours une équipe senior et une équipe U18. Voilà, chez les jeunes, avec le Covid, etc., plein de choses, on a moins d'effectifs chez les jeunes, mais voilà, ça reste toujours une section très dynamique, dynamisée justement par Caroline Debelle, qui est la présidente de cette section féminine. Donc voilà, le FR Haguenau à tous les éducateurs en place pour accueillir toutes les filles qui sont intéressées par le foot. Et puis voilà, hein, c'est bien parce que voilà, le foot féminin se dynamise de plus en plus. Ça se dynamise de plus en plus, oui. Voilà, effectivement.
c'est quelque chose qui est en place au FR Agno et on trouve que c'est très important. Hein, et on rappelle également que l'équipe senior féminine du FRA est toujours en course. Tout à fait. En Coupe de France. Exactement. On aura quelques infos dans les jours, voire semaines qui viennent pour éventuellement. C'est ça. Voilà, une poursuite de la compétition qui devrait avoir lieu. Voilà. C'est en bonne base, c'est vrai que c'était en battement. Fin février, mars. Voilà. En tout cas, elles ont recommencé à courir hier, voilà. Vu les infos qu'on a. Exactement. Et puis bon, nul doute qu'elles voilà, font quand même attention à leur forme pour pouvoir, voilà, c'est le dernier club quand même de district en lice. Donc, tout à fait, très beau parcours. Voilà, beau parcours pour l'instant et puis on espère que ça va continuer. Hein. Ouais. Tout à fait. À nouveau donc du coup pour terminer cette parenthèse féminine, une petite vidéo, à nouveau préparée par Big Bog Productions, qu'on va vous lancer de suite. La section féminine du FR Haguenau a vu le jour en 2000. On a une équipe dans chaque catégorie, donc des U7 jusqu'aux seniors. Nos éducateurs sont tous diplômés ou en apprentissage. Ça permet aussi d'avoir un suivi dès la base pour nos petites et d'avoir des entraînements de qualité. L'objectif par rapport aux garçons, c'est vraiment d'intégrer le maximum de ludique pour les filles. L'objectif, c'est qu'elles prennent plaisir à faire du foot, c'est qu'elles se retrouvent avec leurs copines et qu'elles n'aient pas cet a priori, le foot c'est pour les garçons. Non, c'est pas vrai. Le foot, c'est pour tout le monde. Je lance un appel justement à toutes les filles qui ont envie de commencer le foot ou de faire du foot, qui étaient déjà en équipe. On cherche à toutes les catégories, à tous les niveaux, que ce soit des U7, des petites, aux seniors. On cherche notre avenir. On est un bon groupe de copines, donc c'est toujours plaisant à venir s'entraîner, à faire les matchs. Il faut venir au FRH. Ça fait plaisir quand même, hein, de voir toutes ces petites vidéos, voilà, des gens qui prennent du plaisir à jouer au foot quand même, hein, ça manque. Ça manque, ouais, là ça revient un petit peu, mais voilà. Voilà, ça revient un petit peu parce qu'on a de la chance d'être là, mais voilà, on imagine que ça manque bien à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes et on espère que tout ça va se régler au plus vite. Voilà, on continue la présentation de ce 8e tour de Coupe de France entre le FR Agno et le FC Saint-Louis. On va peut-être passer aux compositions d'équipe, hein, parce qu'on est à une dizaine de minutes du coup d'envoi. Donc on va commencer par l'équipe visiteuse. Je m'en occupe et tu fais le FRH. Allez. Antoine, allez. Donc côté Saint-Louis, les 11 titulaires, le numéro 1, Siegfried Aissiekédé. Le numéro 2, Abdelmalik Emtir. Numéro 3, Mamadou Camara. Numéro 4 et capitaine, Fadel Niang. Numéro 5, Jude Varsovie. Numéro 6, Ied Ziné. Numéro 7, Axel Bidouzo. Numéro 8, Thiebi Yao. Numéro 9, Dame Gay. Numéro 10, Kassem Amaouche. Numéro 11, Ibrahima Diallo. 5 remplaçants pour Saint-Louis avec le numéro 12 Abdouladri Silla, numéro 13 Marwan Assad, numéro 14 Yassine Harar, numéro 15 Florian Elani et numéro 16 Anis Messaoudi Mohamed. Et puis voilà, bien entendu les dirigeants, hein, messieurs Guillaume Muller, Maxime Gélardin, Roberto Farina, Domenico Sensini et Cédric Decker. Voilà, Antoine, à toi pour la composition du FRH. Donc pour les 11 titulaires, on commence avec le gardien et capitaine Pierre Ebédé. À qui on souhaite encore une fois un joyeux anniversaire, je me permets, il a eu 41 ans, il me semble, en début de semaine. Hein, quand même, longévité exceptionnelle. Hein. Tout à fait. Pierrot, magnifique. Quelques belles années au FRH. Pour continuer, le numéro 2, Karim Belhassen. Le numéro 3, Marco Rosenfelder. Le 4, Romain Metzger. Le numéro 5, Henri Scherer. Numéro 6, Erwan Madi. Numéro 7, Diakaria Dembélé. Le 8, Quentin Bure. En pointe, numéro 9, Okena Onwuzurumba. Numéro 10, qui était absent contre le FCK 06, on souhaite bon retour, Nicolas Intenor. Numéro 11, Gottfried Beko est buteur la semaine passée. Très beau but, très beau but. Très beau but, en effet. Pour les remplaçants, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 remplaçants, en commençant par le numéro 12, Lilian Nort. Numéro 13, Thomas Bierry. Numéro 14, Reda Belhassen, qui n'était pas là lui non plus semaine passée. Numéro 15, Yann Diebold. Numéro 16, gardien Bastien Remp. Numéro 17,
Zoumana Koné et numéro 18 Alexandre Nsakala. Pour les dirigeants sur le banc, nous avons entraîneur Laurent Brengel, préparateur physique Antoine Kiffer, dirigeant Aurélien Heune, entraîneur Cédric Debel et notre kiné Stéphane Schnebel. Voilà pour la compo, pour les compos. Les compos, donc pas vraiment de changement hein, du côté du FRH par rapport au dernier match. Voilà, juste le retour de l'indéboulonnable Nico qui retrouve sa place dans le 11 titulaire. Après le reste, c'est quand même un assez grand classique. Hein. Reda sur le banc qui était légèrement touché la semaine dernière. Tout à fait, ouais. Mais voilà, on leur fait vraiment confiance là pour nous faire vivre ce match là aujourd'hui et puis passer ce tour. Tout simplement. Oui, comme tu le disais, avec le retour de Nicolas en numéro 10, Karim qui repasse comme on le voyait le plus souvent en championnat latéral. Et Nicolas qui reprend sa place au milieu de terrain pour ce match. Ça sent bon quand même. Allez, un petit peu plus de 5 minutes du coup d'envoi de cette rencontre. Je sais pas où c'est qu'on en est là-bas. Non, bon, les joueurs sont pas encore dehors du vestiaire. Ce qu'on vous propose, mesdames et messieurs, on va passer quelques annonces partenaires. Nos partenaires que l'on remercie encore une fois, de même que la ville de Haguenau, la mairie, tous les agents pour avoir tout mis en place aujourd'hui. Et puis on va vous retrouver après ces petites annonces pour le début de la rencontre. Donc, hein. À tout de suite. Thank you.
Voilà, de retour en direct hein, avec l'image du terrain. On attend encore les équipes qui sont au vestiaire, qui vont pas tarder à arriver. Et nous nous retrouvons d'ici 2-3 minutes pour le début du match à 14h, ouais, 14h03, 14h05 maximum. A tout de suite. Voilà, donc de retour au Parc des Sports, terrain synthétique derrière. Le match prend un petit peu de retard, donc on vous explique un petit peu aussi pourquoi, ceux qui ne connaissent pas forcément la configuration du Parc des Sports. En fait, les joueurs se changent dans les vestiaires habituels, donc c'est-à-dire en dessous de la tribune devant. Et il doit bien y avoir 200-300 mètres tout à fait, ouais. À faire, voilà, jusqu'à arriver au dernier terrain. Donc ce terrain que vous voyez là actuellement en vidéo, le dernier terrain synthétique. Ce qui explique pourquoi le début du match prend un petit peu de retard. Antoine, on fait peut-être un point du coup aussi niveau transfert. On rappelle que le FR Haguenau a signé 3 nouvelles recrues là lors du mercato hivernal, donc avec Alexandre Nsakala qui arrive du FC Sion. Donc Alexandre qui est sur la feuille de match aujourd'hui, il a déjà disputé un petit morceau de la rencontre la semaine dernière face au 06. Tout à fait. Maxime Rass, en provenance du Sporting Schilticheim, qu'on connaît bien, hein, on a déjà eu l'occasion de l'affronter ici. Et puis Didier Ovono, qui arrive libre. Didier Ovono, un gardien, voilà. Expérimenté. Ouais. Très expérimenté, qui va pouvoir amener voilà, de la bonne expérience et puis du vécu au niveau de l'équipe du FR Haguenau. Rappelle peut-être la composition des rouges et bleus. Donc ce sera Pierre Ebédé, comme d'habitude, capitaine, qui débutera dans les buts.
une défense à 4 avec le retour de Karim Bellassène sur le flanc droit de la défense, Marco Rosenfelder à gauche, la charnière classique et, tout à fait. Qui était déjà en place la semaine dernière, Romain Metzger numéro 4 et Henri Scherrer numéro 5. Au milieu de terrain, on aura donc les trois habituels, sauf que bon, Reda aussi pourrait être inclus là-dedans, avec Quentin Bure numéro 8, Erwan Madi numéro 6 et Nicolas Hintenor qui fait son retour numéro 10, et puis les trois de devant, Okena, classique aussi, Onuzurumba numéro 9, Godfred Bekoe numéro 11, Godfred qui nous a mis un beau but semaine dernière, hein, frappe sèche en effet, incroyable, et puis numéro 7, Diakaria Dembélé qui va, on espère encore une fois, provoquer de son côté à longues enjambées et puis nous accélérer un petit peu cette rencontre. Temps magnifique, hein, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir aussi, le vent s'est bien calmé, nous on s'est vraiment bien habillé, hein. Les petites chaussettes de ski qui vont bien, les deux couches de partout, mais voilà, on est bien, la mairie nous a mis une petite structure à disposition aussi avec un petit chapiteau, on est vraiment bien lotis et puis on les remercie encore une fois, hein, toutes les personnes de la ville de Haguenau, toutes les personnes qui de près ou de loin ont fait en sorte que cette rencontre puisse se tenir dans les meilleures conditions. Et bien entendu, encore une fois, nos sponsors, voilà, les premiers joueurs, vous le voyez, sont en train d'arriver. Les remplaçants, a priori. Voilà. N'hésitez pas aussi, mesdames et messieurs, à communiquer avec nous sur le chat en direct, hein, sur YouTube. On voit un petit peu ce qui se dit, donc on ne peut pas répondre à toutes vos questions, bien évidemment. Mais voilà, n'hésitez pas non plus à encourager nos rouges et bleus, tout simplement, depuis chez vous, bien au chaud. Et puis voilà, on va essayer de les pousser tous ensemble vers la victoire. De l'autre côté, on va devoir rester un petit peu impartial tout de même. Voilà, le métier de commentateur, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Et puis bon, voilà, notre cœur penche quand même un petit peu plus vers le rouge et bleu du FR Haguenau, c'est normal. Mais on va tenter de vous faire vivre cela de la meilleure des façons. Voilà, tout à fait, en étant neutre, en respectant bien évidemment la formation de Saint-Louis, hein, on peut le rappeler. Évoluant en N3, hein, ils sont au milieu de classement en National 3. Donc voilà, une belle équipe aussi. Hein, c'est une rencontre qui va être quand même assez équilibrée, on pense. De toute façon, à ce niveau de la compétition, toutes les équipes encore présentes, même comme on a pu le voir au 7ème tour, une équipe de R2 peut faire face à une équipe de N2. Donc voilà, c'est aussi ça la magie de la Coupe de France. C'est la magie de la Coupe de France, comme tu l'as dit. Ouais. On peut le dire, donc voilà, on espère bien évidemment, comme tu l'as dit, que le FR Haguenau sortira vainqueur de ce match. Mais voilà, Saint-Louis a toutes ses chances aujourd'hui. Et puis on espère en tout cas voir un beau match. Je sais pas si vous le voyez déjà, les arbitres avec le ballon, la balle de match arrive au milieu du terrain. Arbitre central, Mathias Roth. Hein. On avait oublié de le mentionner, on n'a malheureusement pas le nom des assistants, mais on les salue également. Sûr. Et puis voilà, on remercie aussi tous ces arbitres qui font souvent beaucoup de kilomètres aussi pour venir arbitrer des matchs dans toute la France. Et voilà, c'est pas facile non plus. Non. Et on les remercie. Donc voilà. On va assister à l'entrée des deux équipes sur le terrain, comme vous le voyez, avec notre caméraman Tom qui va essayer de vous filmer ça du mieux possible. Donc Saint-Louis évoluera en jaune et le FR Haguenau traditionnel en rouge. Voilà, nos couleurs, le rouge du FR Haguenau. On peut saluer aussi le délégué du match, monsieur Paul Dominique, qui nous fait le plaisir d'être là. Si on salue les arbitres, saluons aussi monsieur le délégué et puis tous nos supporters, nos dirigeants, nos bénévoles qui sont là pour que ce match se déroule à merveille. Les ramasseurs de balles, hein, l'équipe de U18, U19, quelques joueurs du FR Haguenau qui nous font le plaisir d'être là bénévolement et qui se prennent du temps pour que ce match soit au mieux possible. C'est un peu ça la solidarité, hein, dans le foot, voilà, c'est d'être là tous ensemble pour donner un coup de main quand il y a besoin. Donc voilà le protocole de départ, hein, avec les deux équipes. Le choix du camp et du ballon qui est fait par les deux capitaines, donc Fadel Niang pour le FC Saint-Louis et Pierre Ebédé pour le FR Haguenau. Avec un petit peu de monde, hein, quand même sur la butte derrière, venu voir un match de foot avant tout,
et puis supporter très certainement les rouges du FR Agno. On distingue bien à gauche le fan club avec leur veste rouge. On reconnaît Patrick, à qui on passe un bonjour, et Cédric également, très actif au niveau des réseaux. Patrick qui partage beaucoup de choses avec le fan club du FR Agno et qu'on remercie aussi d'être là. Ils sont aussi là quand il faut donner un coup de main, et puis c'est les premiers supporters du club également. Vérification des défilés par messieurs les assistants. On voit que Saint-Louis continue un petit peu à s'entraîner, à maintenir les organismes au chaud. Ça peut aussi s'expliquer vu que, comme on l'a dit, la transition entre les vestiaires et le terrain est quand même de 300 mètres. Donc voilà, se remettre un petit peu chaud. Mettre les organismes en mouvement. Ah, parce qu'il fait pas, et voilà. C'est pas... Il fait beau, mais il fait pas forcément chaud non plus. Il fait beau, mais pas forcément chaud. Voilà, c'est de la chance. Pas de vent. Non. C'est déjà pas mal. On a vraiment hâte là que ça démarre, voir ce que les deux équipes vont pouvoir nous proposer aujourd'hui avec des conditions d'entraînement et d'entraînement pas très 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 facile depuis quelques semaines, quelques mois aussi. Donc c'est pas évident de se maintenir en forme, surtout pour une échéance pareille. Voilà, là tu parles bien sûr des restrictions et du Covid, bien sûr, et on parle aussi de cette semaine qui, avec les intempéries, a encore plus rendu difficile les entraînements. Je sais que le FR Agno a dû s'entraîner en salle au moins un soir, car les terrains n'étaient vraiment pas praticables. Donc voilà, ça perturbe encore un petit peu plus, comme si ce n'était pas assez le bon déroulement et la continuité de leur préparation. On rappelle aussi le futur adversaire du vainqueur de cette rencontre, donc soit le FR Agno, le FC Saint-Louis-Neuvegue affrontera le Racing Besançon, équipe de National 3, ou l'UF Mâconnais. Deux belles équipes aussi, attention. Besançon bien, premier, a priori, ouais, c'est Besançon ça, de premier National 3. Du championnat de N3, avec un bon passé aussi, bon petit club, et l'UF Mâconnais également. On s'en doute que ça ne doit pas être aussi facile ce genre d'équipe. Mais bon, maintenant, place au match aujourd'hui, place au 8e tour, c'est ça ce qui compte aujourd'hui, et j'espère qu'on verra un super match et de la motivation, des belles choses des deux côtés. Arbitre, les sifflets à la bouche. Monsieur Roth. On va se permettre quand même, allez les rouges, avant de débarrer la rencontre. Et c'est parti, allez, 8e tour, c'est parti. Du côté du RFR Agno, pas évident de trouver la justesse technique avec ce terrain. Là, on peut le voir également sur cette accélération du numéro 7 de Saint-Louis, que voilà, il faut s'approprier le terrain, c'est pas évident. Et au niveau technique, ça va pas être évident. Un ballon bien chippé par Quentin Bure, numéro 8. Premier duel toujours important, on le dit jamais assez. Il va bien rentrer tout de suite dans cette rencontre, ça c'est sûr. Voilà. Le numéro... Bien s'approprier. Voilà, rentrer dans la rencontre, c'est très important. Attention là, alors qu'il y a eu un petit contact au milieu de terrain. On n'a pas vu, mais il y a dû y avoir un contact au milieu de terrain. On a entendu en tout cas. Vu pas, mais entendu. Peut-être involontaire, on n'a pas bien vu parce qu'on suivait l'action, le ballon. À voir, en espérant que les deux joueurs ne se sont pas fait mal, ne se sont pas blessés. On peut voir le numéro 10 de Agno, Nicolas Entener, et il me semble que c'est le numéro 8 au sol du côté de Saint-Louis. Thierry Yao. Tout à fait.
Nicolas qui est debout. On voit qu'il a une attelle, pas une attelle, mais plutôt un petit strap. Ouais, quelque chose au tape. Niveau du genou gauche. Au niveau du genou. Numéro 8 qui est debout, du côté de Saint-Louis. Ouais, Joe va donc pouvoir reprendre son ballon pour Saint-Louis en jaune, on rappelle. Il s'agit d'être très sérieux au début du match dans ce genre de rencontre. Il s'agit de ne pas encaisser de but très tôt. Je pense que là, c'est de la rigueur, c'est du sérieux. Aucune équipe ne veut vraiment se livrer, je pense. Ah, Bure qui lance Dembélé sur le côté droit. Allez, ça va provoquer. Ah, il n'est pas passé, il a réussi à chipper le ballon quand même. Le petit centre et c'est donné en retrait au gardien. Première petite balle dans la profondeur de Bure pour Dembélé, c'était bien joué. Ah, le 11 de Saint-Louis, Ibrahima Diallo qui va donner du fil à retordre, je pense, dans le jeu aérien, parce qu'il est grand. Je ne sais pas si vous avez la même impression depuis chez vous, mais là nous on le voit d'un peu plus près, c'est un grand petit bonhomme. On voit clairement du côté du FR Agno, il y a vraiment Okena qui reste en pointe devant. Tout le reste, ça va faire pas mal d'efforts défensifs à faire à mon avis aussi. Du côté de God, Fred Bekoé et Zach Dembélé. Hein. Faut gagner ce duel, faut les gagner. Pierre et BD qui préfère. Voilà, ça temporise un petit peu Pierre et BD. Pas s'exciter. Ballon perdu là par Metzger. Ok. Et faute. Faute de Bure. Pas évident, la passe tentée par Romain. Non, il a un peu coupé la passe. Il aurait mieux fait de passer peut-être par le numéro 3, Marco. Pour éviter de se faire contrer comme ça a été le cas. Bon, Quentin a fait une bonne faute. Hein, voilà, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, une bonne faute. C'est pas méchant, c'est juste pour bloquer un petit peu la contre-attaque éventuelle. Ça joue des coups. Il y a du monde quand même. Ou pas. Voilà, ça va. Super bien tiré. Bien joué, ça vient. Voilà, bien joué. Peut-être solide, Godfred. Attention, là c'est parti. Il est pas hors jeu. Hein. Attention, Marco. Oh, petite poussette. Il reste sur ses jambes, numéro 10. Ou technique qui est bien joué à lui. Kassem Amaouche qui avait bien joué le coup. Allez, là ça va relancer propre avec Erwan pour Marco. Très bonne relance. Voilà, bien joué Romain. Ça c'est pas bien mal, joué. Ça peut passer. Hein. Okena qui va continuer son effort. Ça paye. Voilà, bien joué, c'est lancé. C'est un petit peu long. Et bien battu Okena, là, ce coup-là. On sent que les deux équipes essaient quand même de se projeter assez vite vers l'avant en essayant de sauter une ligne avec un ballon un peu au-dessus. Comme on a pu le voir une fois avec Erwan, une fois avec Quentin et puis du côté de Saint-Louis aussi. Ça peut être dangereux. Hein. Il y a des grands gabarits devant comme tu l'as dit Manu, donc attention à ça. Et puis autre paramètre très, très, très important, c'est aussi le terrain. Hein. C'est du synthé. Voilà, il y a des petites bottes, des petits trucs. C'est sûr que c'est pas pareil qu'un verre. Hein. Tout à fait. Bon recul frein de Karim qui arrive à placer ce coup de tête. Et... Allez, là il faut se projeter, Dommage. Voilà, encore un ballon un peu voilà, long. Voilà, c'est ça ce que tu disais tout à l'heure. On essaye de sauter. Bien joué là de la part de Karim. Bon petit pressing, bien accrocheur. Karim, on le rappelle, c'est pas son poste théoriquement arrière latéral, mais il a été replacé ici par Cédric Debel. Et puis franchement, depuis le début de saison, écoute, c'est match. S'il est encore là, c'est qu'il y a une raison, c'est que ses matchs sont performants. Exactement. J'espère qu'il va nous le montrer encore aujourd'hui. Performant dans ce rôle, Karim. Rôle d'arrière droit. Allez, voilà, pas forcément forcé.
Voilà. Aguenou, n'essaye pas de les chercher vraiment trop non plus. Ça change un petit peu du match du 7ème tour hein, contre le 06. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tout à fait. Ouais, il est passé. Axel Bidouzo. Voilà, bien coupé par Henri. Bidouzo qui récupère le ballon. Petit ballon, on a. Ouh là là, ça encore Henri qui est très bien placé. Hein. Mais ça combine pas trop mal du côté de Saint-Louis, c'est pas mal. Et il repose. Saint-Louis qui est bien rentré dans. Encore une fois, numéro 7, Bidouzo. Il provoque, très il provoque. Remuant, ça provoque. Hein. Attention, ça va balancer. Marco qui est peut-être pas assez sorti. Attention, pas de faute. Hein. Ouais, c'est un corner pour Saint-Louis. Premier corner de la partie. Numéro 7, là, il nous fait mal. Hein, sur le flanc gauche de la défense du FR Agno. Axel Bidouzo, numéro 7 du FC Saint-Louis-Neuvegue. Il a tenté deux, trois petits rushs. Hein. Ouais, il a quelques dribbles réussis déjà à son actif en ce début de rencontre. Donc attention à Marco, le numéro 3 du FR Agno. Et attention au corner, on rappelle hein, que c'est sur corner que le 06 avait égalisé. Il me semble, dimanche dernier. Ah, et l'ouverture du score, corner très bien tiré par le numéro 10, Amaouche Kassem. Kassem Amaouche qui ouvre donc. Non, c'est pas le 10. Celui, c'est le tireur de corner et le buteur. C'est pas le 10, je ne sais plus. Mais il est monté vraiment plus haut que tout le monde là. Hein. Donc, 9ème minute, ouverture du score du FC Saint-Louis-Neuvegue. Alors c'est le numéro 5. Est-ce que c'est le numéro 5 C'est le numéro 5, Jude Varsovie. Qui ouvre le score. Sur 9ème minute. Ah là là là, ça démarre mal. Pour le FR Agno. Corner très bien tiré. Et puis il est monté très haut. Hein. Très bien tiré, en effet, comme on l'a dit, de Kassem. Et puis ce numéro 5, super détente. Hein. Et en plus de sa taille, très belle détente. On l'a pas vu venir, hein, malheureusement. Faute du numéro 10 Kassem Amaouche sur Karim Belhassen. Allez Ferrache, là il va falloir. Repartir de l'avant. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est parti. Hors jeu de Gottfried Bécoé, dommage. Et on rappelle hein, ce corner obtenu par ce numéro 7 hein, qui l'a bien obtenu après tout son travail sur le côté droit. Donc on va voir la réaction des deux équipes. Maintenant Saint-Louis qui mène donc au score 1-0. On va voir la réaction, hein, notamment du. Ça communique fort. C'est communique fort et encore une fois hors jeu. Hein. Tout à fait. Malheureusement. C'est à ce moment qu'il faut surtout pas s'exciter ou paniquer du côté de Agueno. Hein. Le match est long. Voilà, il faut continuer à. Faut s'en tenir pardon, au plan de jeu. Et continuer à travailler. Les coups de pierreté sont bien tirés. Hein. Il y a beaucoup de justesse technique à ce niveau-là. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Là, il faut provoquer. Bien joué, God. Fred Bécoué qui est passé. Bon retour. Touche pour les rouges. Bure va peut-être tenter un petit centre. Non, ça temporise un petit peu. Dit Bure. Ça combine avec Beko. Il y a un Guenot qui s'installe un petit peu dans le camp de Saint-Louis, ça fait du bien.
Nouvelle touche encore une fois, touche. On s'installe un petit peu là-bas, côté gauche. Et un hors-jeu. C'est bien parlé ça entre Erwan et Quentin. Et un coup franc là pour le FRH. Allez, il faut s'installer un petit peu hein, dans ce camp, dans le camp des jaunes. Je sais pas ce que t'en penses, mais on voit bien que Saint-Louis est très impliqué. Hein, vraiment, ouais. Sur tous les duels, tous les contacts, ils y vont. Au niveau de la communication, ça, on les entend. Il y a beaucoup de communication dans cette équipe, hein, effectivement. Ils sont venus chercher quelque chose, hein, ça on le sent. Ouais. Allez, donc c'est au coup de sifflet de l'arbitre. Hein. Coup franc frappé par Nicolas Intenor. Rentrant. C'est un petit peu. Pas très très bien frappé. On va bien ça va vite hein, mais Henri c'est serein derrière hein. Ouais. Il a bien géré ce coup là. Il faut rester lucide dans ce genre de situation et c'est ce qu'il a fait. Ah oui, le ballon pour ça. Dembélé, ça va provoquer, ça provoque. Le centre et l'intervention du capitaine Enyang Fadel. Juste devant Kena. Ce sera un corner pour les FRH. Nos corner que va frapper Marco Rosenfelder, comme à son habitude, il traverse le terrain pour le frapper. Donc voilà, un jeu assez direct. Hein. Là, en deux passes, c'était la diagonale de. C'était Metzger, je crois, ou c'était Scherer qui la met sur Dembélé et puis le centre. Quand on voit que ça fait deux fois, il y a un petit coup à faire hein, du côté de Zach. Bien tiré le corner, bien tiré, et puis mais bon, directement dans les bras du gardien. Là, il n'y avait personne de chez nous à la réception, malheureusement. Hein. Et ça relance court, il faut jouer. Marquage culotte de Quentin Bure. Et bien sûr. Ils sont beaucoup sur la récupération, les jaunes, avec encore ce numéro 7 devant le but. Oulalalala. Bien joué encore une fois la part de Saint-Louis hein. Le 7 pour le 11, cette fois le numéro 11 Ibrahima Diallo qui vient couper la balle hein. Bien joué à lui. C'est bon, il y a un ballon qui est revenu sur le terrain à nouveau. Voilà, il s'agit pour. Hein. Scherer, Rosenfelder. C'est un peu le circuit depuis le début du match. On a un peu de mal à trouver le milieu de terrain, à avoir des échanges de pieds dans les pieds. Ouais, les relais, les transitions, comme tu le dis, au milieu de terrain, j'ai même pas l'impression qu'on les cherche vraiment. C'est assez différent du jeu direct, très vertical. Allez, ce duel. Voilà, Godfred Bekoe qui a un contre un à jouer là. Hein. Allez, une petite faute, voilà, bien arbitré. Hein. Il a bien joué, il a essayé de laisser l'avantage. On n'a pas profité, il est revenu. Erwan qui décide de jouer vite. Il a raison, il faut mettre du rythme. Hein. Saint-Louis qui sort très vite. Hein. Regardez ce pressing sur Karim. Il s'en sort, mais c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, il sort très vite, Saint-Louis. Ils sont présents dans tous les duels. Pour l'instant. Voilà, et ça continue à jouer court.
pense que c'est une bonne solution ça pour les faire venir, voilà, de faire courir un petit peu de mon centre. Il y a Dembélé en deuxième rideau et encore un petit hors-jeu. Ah là 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 là. C'est vrai que c'est juste que ce petit relais, ce petit décrochage de Nicolas Antenor qui peut remettre à Marco, ça a créé quand même un petit décalage parce que le numéro 11 ainsi que le numéro 7 sont sortis. Donc ça fait déjà moins de densité derrière du côté de Saint-Louis, donc ça peut permettre quand même plus d'espace pour Haguenau quand même dans la surface. Même si voilà, encore hors jeu sur ce coup-là. Bonne déviation, bien joué. On entend le gardien Pierre Ebédé hein, qui donne de la voix derrière, qui donne des conseils, qui replace aussi sa défense. Pas de faute signalée. C'est faute signalée pour monsieur l'arbitre sur Okena Unuzurumba. Touche, pardon. On entend le gardien de Saint-Louis qui demande de monter. Hein. Joué encore une fois Dembélé cherché à droite. C'est bien joué. Guenot qui a repris un petit peu la possession entre guillemets hein, depuis quelques minutes. Territorial entre guillemets. Avec, on est un petit peu plus du côté de filet jaune en ce moment. Hein. Même si ça reste assez brouillon, hein, malheureusement. Voilà, bien joué ça de la part d'Erwan Madi. On pose, la sécurité, on souffle, et là ça va repartir à gauche. Voilà, Erwan encore là. Hein. Dembélé, c'est parti. C'est un très bon appel ça par contre. Hein. Ouais. Bonne remise pour Okena. Super ballon, Unuzurumba qui frappe juste à côté. Voilà, ça c'était belle occasion pour le FR Haguenau. Beaucoup de justesse, hein. Encore une fois. De l'appel, la passe, en passant par la petite remise. Dommage qu'il n'ait pas pu la reprendre quand même à bout portant à l'entrée des 16 là. Mais première alerte du coup sur le but de Saint-Louis. Oui, bonne remise hein, de Dembélé quand même. Qui aurait peut-être pu la tenter, mais c'est vrai qu'Okena était quand même bien placé. Ah, il y a eu un petit pied. Pour l'arbitre, ouais. Il n'y a rien. Pour l'arbitre, rien. Bon, on a... Le pied était un petit peu haut. Voilà. Genre de situation pas toujours facile à gérer pour des joueurs. Hein. Non, l'arbitre qui ne signale pas faute, on sort quand même le ballon, voilà, par fair play. C'est bien, mais c'est pas évident à gérer, hein, ça, quand un joueur en plus. Voilà, on se dit que les coups font à mon avis 2-3 fois plus mal que d'habitude un peu avec ce froid. Hein. Mais après voilà, c'est vrai qu'avec l'intensité, etc. Les esprits peuvent s'échauffer, mais les joueurs sont très concentrés, c'est un match important. Donc c'est la reprise hein, finalement, hein, c'est que le deuxième match. Donc voilà, tout le monde a envie de bien faire. On voit le ballon qui rebondit quand même. Exactement, oui, tout à fait. C'était pas évident, la passe de Erwan était bonne. Mais quelques petits rebonds, ça rend le contrôle un peu plus difficile. Et la suite aussi. D'où le fait, avant on parlait de sauter un petit peu par-dessus les lignes, tout ça, c'est peut-être pas déconnant. Non, c'est peut-être se pas construire, chose, c'est pas évident. Attention, il est encore parti. Un bon ballon. Attention, il va falloir suivre dans l'axe. Henri qui la dévie, voilà, Karim qui fait l'effort. Karim qui est avant. Ouh, bonne interception du numéro 3, Mamadou Camara. Bon retour de Karim, super. Voilà, et là ça joue. Il faut revenir à la faute, ouais, ils se sont percutés. Bien joué, monsieur l'arbitre. Cédric Debelle, le coach Haguenauvien, qui donne de la voix aussi hein, en face de nous. Enfin, de réajuster un petit peu les positionnements de ces joueurs. Alors qu'on a Tom qui nous montre hein, 415 spectateurs simultanés là actuellement. On vous remercie hein, de nous suivre aussi nombreux sur ce live. J'espère qu'on est à la hauteur. Hein.
de tout ça. En tout cas, le match, on trouve qu'il est à la hauteur, il y a du rythme, même si ça reste assez brouillon, comme on l'a dit, le terrain n'aide pas, mais il y a de la volonté et du rythme de la part des deux équipes et ça fait plaisir à voir. En espérant peut-être encore un petit but avant la mi-temps, voire deux, on espère voir du spectacle. Les deux joueurs se sont relevés. Erwan un peu plus difficilement. Allez, je suis prêt à reprendre. C'est parti. Bélé encore. Très bon coup franc tiré par Metzger, Romain. Ah, il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux malheureusement. Ouais, il doit être... Mais il a encore une fois été trouvé. Hein. C'est bien ce numéro 7 un peu bloqué là pour Marco. On a entendu hein, le choc quand même d'ici. Il y a faute hein, en effet. Hein. C'est pas une méchante faute, les deux joueurs essaient de protéger le ballon qui est en l'air, ils se regardent pas. Donc voilà, petit contact, mais rien de méchant, les coups francs justifiés. Encore ce numéro 7, faut éviter de le laisser prendre la vitesse, super. Voilà. Très bien serré. Là c'est serré par Marco. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut avec des joueurs comme ça, pas leur laisser d'espace parce qu'on a vu que ça pouvait faire des dégâts. Bien joué de la part de Marco. On voit les milieux agnouviens qui sont quand même obligés de descendre très bas, hein, chercher les ballons. Hein. Saint-Louis qui cadre quand même bien, ils sont bien placés, ils se projettent vite vers l'avant. C'est un peu moins bien donné celle-ci, mais regardez, ouais, ils gagnent quand même les duels. Hein. Ils gagnent quand même les duels et ça leur permet d'obtenir une touche. Bon duel gagné de la tête du numéro 9 qui est pas forcément le plus grand, mais très bonne détente. Il y a de l'engagement en tout cas. Peut-être une touche longue, on voit que le latéral de Saint-Louis laisse la balle. Il doit y avoir un plan mis en place. C'est le numéro 8. Pourquoi pas une touche sur le grand numéro 11, hein. Ibrahima Diallo. Tenter une déviation. Voilà, c'est ce qui... Pas si longue que ça. C'est ce qu'il cherche. Hein. Cherche-le. Ah, bien joué de la part de Quentin. Et là c'est le latéral qui va l'effectuer. Bon pressing toujours de Axel Bidouzo. C'est deux fois hein, qu'on cherche le grand 11 à Ibrahima Diallo côté de Saint-Louis sur des ballons en hauteur. Je pense que c'est vraiment un paramètre à prendre en compte. Voilà, la bonne déviation, allez, ok, allez, allez. Va. Ah, c'est mal donné. C'est mal donné. Bon retour. Dommage. Là, c'est une des seules fois où Haguenau a essayé de serrer tout de suite à la perte du ballon et on récupère. Ils ont été sous pression. Et encore une fois à droite vers Dembélé. Ça bouge là-bas, hein, du côté droit du FR Haguenau. Il y a 4 voire 5 joueurs dans la surface. Ça provoque. Il a encore le ballon. Hein, c'est perdu. C'est perdu. Un petit peu trop à chaque fois. Hein. Attention, hein, parce que ça va vite. Voilà, Gros effort d'Erwan. Effort d'Erwan m'a dit qu'il va protéger le ballon. Voilà, ça protège. Touche pour les rouges. Bel effort hein, d'Erwan. Mais on sent quand même une équipe de Saint-Louis assez costaud. Hein, niveau défensif. Tout à fait, très, très rigoureux au milieu de terrain. Et puis ils avancent, ils reculent ensemble. Ils ont un bon bloc compact, donc ça n'aide pas le FR Haguenau dans sa progression. Vingt-sixième minute, ici au Parc des Sports, qu'on rappelle pour ceux qui nous rejoignent. 1-0 pour le FC Saint-Louis, but marqué sur corner hein, par Jude Varsovie. Le défenseur numéro 5 s'est élevé hein, plus haut que tout le monde. Exactement. Pas à dire. Hein. Ouais, tout à fait. But à la 9e minute. Faut sortir.
dégager loin. Au-dessus des filets. Allez. Et on reprend le circuit, hein, circuit classique. Et on voit Erwan qui descend encore une fois chercher des ballons. De l'effort. Hein. Ça c'est bien joué. Exactement. Super bien joué. Il y a joué. Du monde dans l'axe. Et ça va dédoubler. Ça dédouble, bien joué avec Karim. Une des premières montées de Karim. Ça peut être intéressant pour apporter le surnombre. Ouais, une touche. Touche obtenue, c'est bien. On a un peu de mal à rentrer quand même ces ballons. On a souvent du monde dans la surface. Là, c'était Quentin qui avait apporté le surnombre. Avant, c'était Nicolas. Voilà, il y a toujours Kena qui est là, Gottfried. Donc, essayer de ramener ces ballons dans le centre, ça pourrait être dangereux. Ah, voilà, centre en première intention, c'est bon. Ah, c'est à côté. C'est à côté que c'est qui avait suivi à l'arbitre assistant s'est trompé. L'arbitre central dit corner. Main signalée, on dirait, par l'arbitre assistant. Main signale. J'ai l'impression qu'il montre une main. Donc, ah oui. D'accord, donc main d'un joueur de Haguenau du coup. Hein. Ok, c'était Bure qui était dans la surface. Ah. Voilà, malgré le centre un peu brouillon, malgré ça, c'était quand même dangereux. Donc. Alors on a toujours coutume de dire, hein, voilà, les conditions sont difficiles pour les deux équipes, le terrain est difficile pour les deux équipes. Voilà, c'est tout va ensemble. Hein. Donc voilà, un petit faux rebond, un petit coup de Trafalgar, voilà, ça peut aller vite. Hein. Pour cette première période, c'est notre gardien Pierre Ebédé qui a le soleil en plein dans les yeux. Donc voilà, sur le but, malgré ça, il ne pouvait rien faire, mais voilà, ça peut quand même perturber. Paramètre important aussi, hein, effectivement. Tu as raison de le signaler, Antoine. Pas de faute, hein, dit l'arbitre. Ah, la deuxième déviation n'est pas passée. Là, il faudrait changer de côté. Bien joué. Ça va être un peu long. Ça va être un peu long. Il y avait de l'idée. Il y a quelque chose à faire, hein, là-bas, de ce côté droit. Bien faire avec nous, c'est les deux côtés droits de chaque équipe. Le côté fort pour l'instant, hein, avec les deux numéros 7. Exactement. Axel Bidouzo du côté Saint-Louis et Diakaré Dembélé du côté d'Agno. Vraiment les deux qui apportent le danger. Hein. Et Erwan qui se passe à chaque fois. Le circuit. Circuit préférentiel, voilà, à gauche, Marco qui monte, Erwan qui prend sa place. Ça, c'est très carré quand même. Dommage. À la réception, petite faute. Les mains d'Erwan étaient là. Il y a bien faute. Petite faute, ouais. Bien joué de la part de Karim. Mais là, il y a Karim Dembélé qui perd le ballon. Bonne intervention malgré la pression. Oh, bien joué de la part de Beko et là, s'il peut lancer là-bas à droite. Ah là 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 là. Dommage, tout était bien fait. Et là c'est passé. Là c'est passé avec Dembélé encore une fois. Oh là 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 là. Centre fuyant. Presque cadré devant le but. Dommage parce que c'est Beko qui venait là, on le voit. Bureau à l'entrée, la surface, ils avaient fait l'effort. Ah, mais il y a quelque chose à faire, hein, pour le FRH. On a vu la détente du gardien qui était pas forcément serein sur cette trajectoire un peu perturbante. On aurait pensé qu'il allait la mettre plus dans l'axe, mais finalement c'était très fuyant. On remarque quand même Saint-Louis joue de moins en moins court. Et c'est Agno qui pose un petit peu. Le jeu là, hein, depuis la 25e minute. Bon échange ici. Et encore une fois, regardez à droite le. Bure qui a le ballon.
à l'entrée de... Ah voilà, il s'est bien dégagé. Hein. Mais on voit à droite hein, qui a la place à chaque fois avec Dembélé qui est là. Saint-Louis qui fait le dos rond. Hein. Et donc là, là, là. Comment est-ce que ça se passe sur corner? Donc sur corner, on a Nicolas Hintenor qui reste derrière avec Henri Ferrer. Et monté donc de Romain. Mitzger va pouvoir placer sa tête. Pas de grand gabarit hein, du côté du FRH pour placer la tête. Bien tiré le corner, bien tiré, boxé par le gardien. C'est pas fini. Oh là là, ça traîne devant le but. Là, il faut pas perdre le ballon, c'est important. Voilà, et c'est ce qu'ils ont fait. Marco qui s'est battu. Et là par contre il va falloir se replacer, hein, attention. Hein. Faut pas la perdre. Voilà, c'est bien joué. C'est là que ça peut être dangereux. Hein, pour le FRH. Super retour. Marco qui revenait du corner voilà. Tiré. Et Bekoe qui est lancé par Madi. Encore une fois côté droit. Et là ça va provoquer. Hein. Encore pareil. C'est un dribbleur. Hein. Un dribbleur, Bekoe, on le sait. Peut-être avec plus de communication, lui indiquer qu'il faudrait peut-être s'entrer en une touche. Il y avait du monde. Marco avait suivi aussi. On va se replacer maintenant. Ah, c'est sûr qu'il y a de l'envie, il y a du rythme. L'équipe côté Agno, côté Saint-Louis également. Mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus acculés. Hein. Mais il va falloir faire attention au contre. On a vu tout à l'heure hein, qu'il fallait surtout pas perdre le ballon. Ouais, même s'il faut le dos rond, font le dos rond, pardon. Sur une paire de balles, ils seront là. Hein. Ils seront là. Bon ballon d'Intenor. Le gardien hésite. Il a hésité. Une bonne tête, le pied haut. Ouais, le pied haut de Bure. Typique. Hein. La faute cherchée par un joueur. On met la tête. Bien sûr. Et l'autre cherche le pied. Il sera toujours avantage à celui qui met la tête. Hein. Le pied haut peut être dangereux. On entre dans les 10 dernières minutes de cette première mi-temps. Encore un ballon dévié de la tête hein, par le numéro 11, Ibrahima Diallo. Systématiquement recherché hein, sur les longs ballons. Mais pas sans rappeler un petit peu la carrure de Nigel Solvay. Hein. Meilleur buteur l'année dernière du côté du FR Agno. Ah, ça a changé de côté entre Bekoe. Ouh là 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 là, c'était bien tenté. Et la faute. Bonne défense. Concédée, dommage. Ça a changé de côté entre Gottfried Bekoe et Diakaré Dembélé. Bonne défense numéro 2 qui se relève. Hein. Exactement pareil du côté de Saint-Louis Antoine. Le 7 qui a basculé côté gauche. Le fameux numéro 7, Axel Biduzo, qui a effectué un très très bon début de match. Hein. Notamment lui qui a porté le corner sur l'ouverture du score de Saint-Louis. Oui, comme le reste de l'équipe, hein, 10-15 minutes très, très intense hein, pour Saint-Louis. Je pense qu'il voulait vraiment mettre une grosse pression et sans doute ouvrir le score. Ça s'est passé, donc réussite pour eux. Petite poussette dans le dos. Et numéro 6. Erwan qui a envie de mettre du rythme, hein, on le voit, il a envie de jouer vite et que, ouais. Ouais, que le FR Agno continue de s'installer un petit peu. Dommage, là, mauvais ballon de Nico. Faut être patient, faut pas s'énerver. Il y en aura d'autres, des mauvaises passes, faut continuer. Faut le déranger, faut le gêner à la tombée. Non, il est tout seul. Encore tout seul. Bon c'est ballon. Il n'y a pas de hors-jeu. Non. Je pense pas qu'il y ait bien arbitré. C'est bien arbitré. Voilà. Et là, on peut ressortir encore une fois. Faut que ça aille vite. Faut que là aille vite la transition. Et encore une fois à droite. Avec cette fois-ci Bekoe. Peut-être. Bekoe qui va provoquer Mamadou Camara, numéro 3 du FC Saint-Louis. Allez, ce serait bien de chercher l'égalisation avant la mi-temps pour le FR Agno. Bien évidemment, Saint-Louis n'est pas de cet avis. Hein. Ils vont tout faire pour maintenir ce score.
Ce qu'ils font plutôt bien d'ailleurs depuis tout à l'heure, parce que bon. Tout est fait. À nos dépens, mais. À nos dépens, mais c'est ce qu'ils font, ils jouent leur jeu. Hein. Ouais, bien sûr. On a Erwan qui est seul au milieu. Enfin, Nico qui est passé. Encore du droit. Dommage, hein, il y a Erwan qui est seul. Il faudrait pas hésiter à prendre un petit relais au milieu de terrain. Nouvelle touche. La scène très intelligente, hein, qui a baissé la tête pour la laisser passer. Voilà, et ça c'est bien joué. La frappe d'Henri Ferrer, puissante. Contrée. C'est sifflé, il a raison, le pied traîne. Pas volontaire, mais c'est. C'est bien obtenu. Traîne, ça touche les joueurs. C'est bien sifflé. Toujours sur les côtés, ces longs ballons. Il y a du monde, regardez, ils sont trois. Ils sont trois. Bon, l'avantage, s'ils sont trois ici, c'est qu'il n'y en a pas dans l'axe. Mais on voit la montée du numéro 10. Me semble, attention, c'est passé. Attention à ne pas laisser filer. Bien joué, Karim. Bien écarté de la part du numéro 6. Axel qui est revenu côté droit. Corner. Attention, hein, c'était sur un corner de ce côté qu'avait été obtenu l'ouverture du score pour Saint-Louis. Et là, cette fois, je ne sais pas si Okena était revenu défendre sur ce numéro 5, mais en tout cas, là, il le suit. Là, cette fois-ci, il le suit, ouais. Il le suit. Grand gabarit pour grand gabarit, et puis il va le tenir, ce numéro 5. Corner qui va être frappé par le numéro 10. Une nouvelle fois. Kassem Amaouche. Joueur 2. Deux, ça va vite. Attention. Ça va être bon. Il fallait tenter dans cette position. Ça c'est pour Pierre. Un ballon qui file en sortie de but. Ils ont raison de tenter leur chance. Hein. De toute façon, voilà. Karim qui laisse filer le ballon, c'est bien joué. Voilà, et ça continue. Super bien joué. Et puis ça va encore. C'est bien joué, Quentin qui n'est pas hors-jeu, Quentin Bure qui va se présenter en retrait. Dommage, c'est pas passé. Ah ouais, on a entendu. On a entendu sans faute, mais il est allé la chercher. Il est allé la chercher, le numéro 7, Axel Bidouzo encore. Hein. Il nous fait du mal. Hein. Bien quand obtenu. Même, il est partout l'ailier, hein. Vous voyez, il s'est retrouvé au milieu de son propre camp pour récupérer le ballon. Il nous fait du mal. Hein. Carton mérité. Hein. Carton jaune pour Intenor, voilà, c'est deuxième faute de suite. Sifflé, et puis voilà, carton, on va dire, plus ou moins logique. On entend Pierre râler un petit peu. Pas forcément d'accord avec ce carton. Même si voilà, hein, ça aurait pu être dangereux si Axel était passé numéro 7. Ça aurait pu aller très vite quand même vers l'avant, donc voilà. Carton, je pense, justifié. 5 minutes encore dans le temps réglementaire de cette première mi-temps. 1-0 pour le FC Saint-Louis. Bien ballon. Et eux, ils centrent. Attention. Et ballon pour. Voilà. Bien capté par Pierre Ebédé. Voilà. Vous voyez, on n'arrive pas à relancer vite et propre. Ça, c'est le résultat d'une. Voilà. Ça tient son poste. C'est carré. Il y a de l'implication hein, côté Saint-Louis. Là, cette fois-ci, c'est Quentin Bure qui descend chercher pour la première relance. Et c'est Erwan qui est plus haut, du coup, un petit peu. Hein. Voilà, donc ça tourne un petit peu comme la rencontre de la semaine dernière. C'est un peu précipité là par Marco, même si on arrive à récupérer. Le vent se le contre favorable pour Beko et deuxième poteau, Karim.
petit peu plus loin que le deuxième poteau là du coup, et ça joue. Ça provoque un peu, ça joue avec les mains et corner. Corner obtenu, c'est bien joué Karim. Vous ne pouvez pas chercher beaucoup mieux à 2 contre 1. Hein. Troisième ou quatrième corner, hein, si je me trompe. Troisième pas. Corner, troisième, il me semble. Ouais, ouais, faire une... Le premier a été capté par Siegfrieda ici, le gardien de Saint-Louis, le deuxième boxé, et puis suivi d'un petit cafouillage. Allez, espérons que le troisième soit le bon, pourquoi pas. On n'a pas vu beaucoup de FR Agno marqué sur corner dans la première partie de saison. Hein. Non, en effet. C'est pas un... Mais bon, il n'est jamais trop tard. Hein. Il n'est jamais trop tard, justement. Il n'est jamais trop tard. Peut-être un ballon déposé sur la tête de Karim. Pourquoi pas. Pas trop mal tiré au premier poteau. Re-corner. On voit avec le drapeau de corner et le drapeau de l'assistant que le vent se lève un petit peu. Le vent commence à se lever un petit peu, ouais. Donc, jusqu'à là, jusqu'à maintenant, on était tranquille. Allez, re-corner Marco, encore une fois bien tiré, dégagé, c'est sorti proprement par Saint-Louis, ce qui concède quand même la touche, bien joué ça, super. Encore un centre de Rosenfelder, il y a du sacrifice quand même, hein. Ils sont sur tous les ballons. Voilà. Dommage, dommage la frappe de Dembélé. Un petit peu en arrière. Ah, mais c'est ça. Hein. C'est ça, c'est ce qu'il faut. Il faut du rythme, il faut des ballons devant le but. Ouais, et un enchaînement quand même de plusieurs centres, en plus des corners. Donc voilà, ça met la pression, ça apporte le danger dans la surface. C'est ce qu'il faut. Les mettre sous pression. Voilà, encore récupéré par Karim. Ça c'est bon, ça va être un peu long. Je verrai BD qui va sortir au pied. Sous la pression. Hein. Je sens que c'est le numéro 11, vu sa taille. Alors, vous voyez là, les deux joueurs hein, qui sont allés au contact, le ballon est passé au travers. Comme quoi, voilà, au niveau de l'engagement, on peut encore un peu mieux faire. Hein. Je dirais. Oui, c'est sûr. Hein. Dans un match comme ça, où on a une équipe rigoureuse, très très rigoureuse en face, ces duels, il faut les gagner. Hein. Ils sont allez, très sérieux. Allez, Erwan qui va monter avec le ballon. On voit Okina qui fait un appel au centre. Ouais, un peu molle. Très sérieux encore. C'est la mi-temps. Mi-temps, il n'aura pas laissé d'arrêt de jeu. Hein, Monsieur Roth. Donc mi-temps. Ici, sur le terrain synthétique du Parc des Sports, un but à 0 pour Saint-Louis. Ouverture du score aux alentours de la 9e minute. Hein, en si effet. Je me souviens bien, 9e, 10e minute, par le numéro 5, Jude Varsovie. Bon, il va falloir un petit peu, pour le FR Agno, hausser le ton. En deuxième mi-temps, pour espérer égaliser, et puis pourquoi pas même un petit peu plus, hein, remporter ce match pendant le temps réglementaire. Mais on a vu de belles choses. Notamment la deuxième partie de première mi-temps où on s'est vraiment un petit peu plus installé dans la partie de terrain adverse. Voilà, maintenant un petit peu plus de justesse, un peu de chance aussi parce qu'il en faut dans le foot. Et puis voilà, on verra ce que ça donne lors de la deuxième mi-temps. Du coup, mesdames et messieurs, 485 personnes en ligne actuellement qui nous suivent. On vous remercie encore une fois et on espère vous apporter totale satisfaction. On va... passer un petit peu une petite annonce de la compile des buts du FR Agno de cette première partie de saison. Plusieurs reportages du coup voilà du FR Agno de cette première partie de saison. Et on vous retrouve du coup d'ici une dizaine, petite quinzaine de minutes pour la deuxième mi-temps. Merci.
La section féminine de FR à Guenot a vu le jour en 2000. On a une équipe dans chaque catégorie, donc des U7 jusqu'aux seniors. Nos éducateurs sont tous diplômés ou en apprentissage. Ça permet aussi d'avoir un suivi dès la base pour nos petites et d'avoir des entraînements de qualité. L'objectif par rapport aux garçons, c'est vraiment d'intégrer le maximum de ludique pour les filles. L'objectif, c'est qu'elles prennent plaisir à faire du foot, c'est qu'elles se retrouvent avec leurs copines et qu'elles n'aient pas cet a priori, le foot c'est pour les garçons. Non, c'est pas vrai. Le foot, c'est pour tout le monde. Je lance un appel justement à toutes les filles qui ont envie de commencer le foot ou de faire du foot, qui étaient déjà en équipe. On cherche à toutes les catégories, à tous les niveaux, que ce soit des U7, des petites aux seniors. On cherche notre avenir. On est un bon groupe de copines, donc c'est toujours plaisant à venir s'entraîner, à faire les matchs. Il faut venir au FRH. On a 115 enfants qui sont là durant toute la semaine. Ça permet vraiment d'avancer très largement sur la préparation avec tous ces entraînements qui sont faits en une semaine. Vous partez en jonglage à la ligne blanche. Objectif de voler, de toucher la barre. D'accord ? Donc je pars en jongle, de voler, je touche la barre derrière. Il y a une évolution sur le terrain, bien sûr, au niveau footballistique, mais aussi dans les règles de vie. Les garçons doivent manger ensemble, les garçons doivent débarrasser la table à la fin du repas. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça qui sont importantes aussi. On travaille aussi sur pas mal de projets, sur l'éco-citoyenneté, sur la santé. Donc on sent que les garçons sortent avec pas mal d'apprentissage de ces stages. Vrai ou faux, est-ce que le maillot de l'équipe de France de football est fabriqué à partir de bouteilles d'eau recyclées ? Je pense que c'est vrai. Et toi, Issan ? Ouais, bonne réponse. Let's go!
monsieur. Voilà, on est de retour ici au Parc des Sports pour cette deuxième mi-temps entre le FR Haguenau et le FC Saint-Louis-Neuvègue. On rappelle donc 1-0 pour les jaunes de Saint-Louis. But marqué par le numéro 5, Jude Varsovie, sur corner. Dans le match, un autre match de cette Coupe de France qui nous intéresse, l'UF Mâconnais, club de Régional 1, mène actuellement 1-0 face à Besançon. Donc voilà, là on parle du match de l'adversaire potentiel du vainqueur de cette rencontre. Donc l'UF Mâconnais mène 1-0. Voilà, en temps de retour ici sur cette petite plateforme mise à disposition par la ville. On espère voir un FR Haguenau conquérant dans ces 45 minutes à suivre. Et puis pourquoi pas, voilà, l'égalisation et puis remporter ce match au mieux. Oui, de toute façon, voilà, maintenant c'est, il n'y a plus que ça, hein, c'est 45 minutes et peut-être les pénalties si on arrive à égaliser. Faudra tout donner, en tout cas à Saint-Louis, quand en premier temps ils vont rien lâcher, ils vont rien nous donner. Donc voilà, comme tu l'as dit, donc Mâconnais qui mène, donc petite surprise quand même, on rappelle, Mâconnais, équipe de Régional 1. R1, donc contre une équipe de N3 qui est première, hein, Besançon, on le rappelle. Ouais, non, c'est pas mal. Voilà, donc et voilà, donc ici l'équipe de Saint-Louis, milieu de tableau de N3, mène contre l'équipe de National 2 de Haguenau. Mais il reste une mi-temps, donc tout peut arriver. Tout est joué, tout est possible. Encore à signaler, pas de changement, a priori, qu'importe des côtés. Pas de changement des deux côtés, on repart avec les mêmes 11 des deux côtés. Hein. Monsieur Roth va pas tarder à signer, siffler le début de cette deuxième mi-temps. Monsieur Roth qui tient bien le match, hein, jusqu'à présent, franchement, ouais, très bon arbitrage. Pas de soucis, en effet. Allez, c'est parti. Deuxième mi-temps entre le FRH et Saint-Louis. Premier long ballon récupéré par Karim Bellassène. Allez, il y a pas de hors-jeu. Bonne couverture du numéro 4, Fadel Niang, le capitaine de cette équipe. Et une deuxième intervention pour lui déjà. On entend les joueurs, hein, qui demandent à jouer vite. Vite vers l'avant. Dembélé qui va droit en touche malheureusement. Bien serré, hein, par son adversaire Mamadou Camara, le numéro 3. Un gros duel là juste devant nous. Victor. Ouais, on disait un petit peu en off, on s'est regardé, on a dit oula, on était dans la ligne de mire. Hein. Un gros duel hein, entre Karim et Ibrahima Diallo. Pas de faute sur Nicolas, du coup touche pour Saint-Louis. Bien joué, lucide. Ballon pris par Henri. Henri et Pierre, l'assurance tout risque quand même. Hein. Et ça relance. Court. Et là, cette fois-ci, c'est Nico qui descend. Chercher le ballon. Attention, on va pas se faire avoir non plus. Là, on voit Saint-Louis légèrement un peu plus haut. Hein. Mais en mi-temps, mais avec un gros trou aussi au milieu. Voilà, là, c'est dommage, ça ne passe pas. Bien joué, Henri. Pas évidente, là, juste après le rebond. Il fallait la prendre. Hein. Oui, Nicolas qui est passé. Bon ballon. Là, Marco, il faut ramener. Et c'est ramené, mais c'est droit dans les bras du gardien.
C'est ce qu'il faut faire, c'est dommage, dommage de jouer de la part de bien Nicolas. Bien battu Nico, hein, qui est allé chercher ce ballon dans les pieds. Ils sont très proches, hein, les attaquants de Saint-Louis, qui sont au premier ou deuxième ballon, même si là c'est Aguenaud qui a la chute. C'est quand même Saint-Louis qui a la balle. Hein. On peut noter, Manu, que des deux côtés, on est parti à l'échauffement. Hein, 3 joueurs, j'ai l'impression, plus le préparateur. Donc 3, oui, du côté d'Aguenaud. Oui, 3 et 3. Et 3 aussi, hein, du côté de Saint-Louis. Aguenaud, on peut apercevoir Reda. Yann, j'ai l'impression, et puis Koné. Contredis-moi hein, si c'est faux, mais... Non, Antoine, tu as... J'ai l'impression, de loin. Avec ce que je vois d'ici, tu as tout à fait raison. Malheureusement, Saint-Louis, on ne peut pas... Non, malheureusement, on peut pas vous le dire, mais voilà. On les connaît pas. Ça s'échauffe doucement, voilà. Bien sûr, pas de changement à prévoir. On peut imaginer que Cédric va quand même lancer Reda au milieu de terrain. Reda qui est quand même l'auteur d'une excellente première partie de saison avec le FR Agneau. Il a été impressionnant au niveau volume de jeu sur le terrain. Et puis, il nous pourrait faire beaucoup de bien. Justement, être ce relais un petit peu au milieu de terrain pour les relances et même dans les efforts défensifs. Enfin, c'est vrai qu'il a toujours eu de très bonnes choses de sa part. Allez, c'est reparti. Ballon haut, Kena qui se bat avec le numéro 4. Gros duel, très gros duel. Entre Fadel Nyang, le capitaine de Saint-Louis. Et Okena Nuzurumba, dommage, ça part directement en touche, il n'y avait peut-être pas de hors-jeu. C'est touché par un joueur de Saint-Louis. On voit Reda Bellassen qui se rapproche du banc. Il va faire Agneau enlever son chasuble, donc il va certainement rentrer hein, très, très rapidement sur la pelouse. Il qui se retourne, mais il a vite été pris, ils étaient 3 autour de lui de suite. Ouais, ça s'est très vite resserré, en effet. Voilà, et là le pressing, voilà, là, il faut y aller. Il faut suivre, Quentin qui fait l'effort. Il ne faut pas les laisser sortir. Il y a la touche pour le FR Agneau, on l'a vu d'ici. Hein. Il y a eu un petit peu de bruit, mais. C'est bien arbitré encore une fois, je pense. La touche est bien pour les rouges. Hein. Il y a eu un petit peu de bruit, un petit peu de contact des deux côtés. Et bon, c'est ça aussi. Hein. L'intensité. Le ballon, il n'y a pas de hors-jeu. Si le hors-jeu avait été signalé par l'arbitre assistant. Ah, la sortie d'Henri Ferrer, bien joué ça. Ça va partir en touche. Presque sauvé quand même par ce numéro 3, quand même assez rapide. Hein. Beaucoup de qualité chez les jaunes de Saint-Louis. Ah, Karim qui fait un petit peu ce qu'il peut, malheureusement. Ah, voilà, il a touche obtenue. Ça s'excite un petit peu hein, du côté chez les jaunes. Thème de communication. Nuzurumba à l'entrée de la surface, latéralement. Est-ce qu'on va pouvoir obtenir un corner? Bure. Ah là là, c'est bien joué. Et c'est sorti. Rosenfelder, la frappe. C'était plein de culot. C'est tenté. Belle frappe de Marco. C'est tenté, c'est à côté, mais c'est tenté. Bien joué, alors que le changement. Premier changement de la rencontre à la 51e minute va avoir lieu. On va assister à l'entrée donc de Reda Bellassen, numéro 14 aujourd'hui, c'est Nicolas. C'est Nicolas Intenor. Nicolas Intenor qui faisait son retour aujourd'hui, remplacé donc à la 51e minute par le numéro 14, Reda Bellassen. Donc changement poste pour poste, on va dire un milieu de terrain pour un milieu de terrain. Alors est-ce que Reda va jouer aussi haut que Nico en 10 ou bien Quentin va prendre un peu plus haut? Je pense que la configuration, ouais, c'est Quentin qui passe. Un petit peu plus haut. Reda qui va apporter sa taille aussi au milieu de terrain. Oui, ça fera pas de mal. Gros duel encore une fois.
Récupéré par Marco, qui est bien rentré dans cette seconde période, Marco. Hein. Qui a un peu souffert quand même avec ce numéro 7 de Saint-Louis en première. On voit Reda qui se place tout de suite en sentinelle, voilà, numéro 6, le patron, hein. Le métronome. Et regardez, Agneau quasiment coupé en deux. Regardez, tout le monde est devant, on attend que la longue balle. Si c'est pas bien donné, ça ne donne rien. Reda qui fait, Karim qui fait l'appel. Encore une mauvaise balle de Romain, c'est pas la première fois, mais c'est pas grave, hein, il faut s'encourager. Voilà, bien joué. Bien joué ça, super. Avec Marco, le très bon centre. Le centre de Mouzoumba, l'égalisation du FR Haguenau. Très belle combinaison avec Quentin Bure. C'était un petit peu plus Burigno que Bure, hein, sur ce coup-là, avec la petite talonnade afin de donner le ballon à Marco et le superbe centre. Et Okena Onwuzurumba, le numéro 9, qui surgit au premier poteau et qui égalise. Donc, 53e minute, FR Haguenau 1, FC Saint-Louis 1. Oui, très belle action. Vraiment très bien amené, super décalage. Quentin qui met super bien ce ballon dans la course à Marco, et puis comme on l'a dit, hein, il a mis en une touche ce centre, hein. En première mi-temps on avait tendance à la garder 2-3 touches, essayer de provoquer, on n'amenait pas ses ballons alors qu'il y avait du monde devant. Voilà, un peu de rythme. Et là en une touche, Okena il était dans la course, c'est dans le sens du jeu et il passe devant, et c'est bien, c'est récompensé quand même pour les efforts du FR Haguenau, même si voilà, ça restait quand même assez brouillon dans l'ensemble, ça fait plaisir et c'est récompensé, je pense. C'est récompensé, et moralement je pense que voilà, pour une équipe menée en Coupe de France dans un match au couteau un peu comme ça, après un changement aussi du coach, voilà, il n'y a pas eu de tergiversation, on est rentré dedans. C'est tout, il faut continuer à jouer, pas se laisser avoir. Voilà, à l'image de Karim, voilà, qui fait le travail. Saint-Louis a un peu été pris de vitesse, hein, je dirais, sur ce coup-là. Surtout pas baisser de rythme, hein. On a marqué, ça reste qu'une égalisation, donc il faut surtout pas se dire que c'est fait ou quoi que ce soit, hein. Il faut continuer à pousser dans cette dynamique. On voit Saint-Louis un petit peu plus haut, à nouveau du coup, qui va de nouveau un petit peu chercher, donc du coup ne pas tomber dans ce piège. On voit Quentin qui descend, ils sont en place, hein. Quand même, ça laisse pas jouer. C'est reparti. Faut gêner. Voilà, et c'est bien pour Okena, parce que c'est ça qu'on attend d'un numéro 9 aussi, hein, qu'il soit là dans ces moments-là. Attention avec Karim Bellassène. Dommage. C'est là où le centre en une touche aurait été le bienvenu. Alors que le ballon est sorti, il me semble. Apparemment, non. Voilà, bien joué de la part de Reda. Bonne entrée hein, aussi de sa part. Aucun ballon perdu, ce qu'il fait c'est juste. C'est propre. Il s'agit maintenant pour Saint-Louis de relever la tête, hein, rester dans ce match. C'est pas évident, hein, se faire encaisser un but comme ça juste après la reprise. Ils sont mis sous pression. Voilà, c'est bien. Petite faute, c'est juste. C'est bien joué, très lucide aussi, hein, Fadel Liang, capitaine. Parce que c'est pas facile, hein, quand on est pressé comme ça en tant que défenseur. On n'a pas la justesse technique, forcément, d'un milieu de terrain. Mais le très bon pressing, hein, de Quentin Bure, hein, qui a permis. Alain Toxin, une petite poussette, mais. Une petite poussette, mais très. Ça suffit très juste. Pour que ce ne soit pas sifflé, donc bien joué. Un joueur qui après fait une tête de plus. Et oui, le foot, c'est pas que dans les pieds, c'est aussi dans la tête, hein, il faut être malin. On a vraiment une nouvelle configuration là, en fait, côté FR avec nous. C'est Reda qui touche tous les ballons. On passe par lui au milieu de terrain pour construire depuis derrière. Voilà, et c'est reparti encore une fois avec Beko et Dembélé, hein. Hors jeu, il a quand même fini, s'est fait plaisir, mais hors jeu. Et voilà. Côté droit, très dangereux en première mi-temps. Là, c'est les deux actions chaudes sont venues du côté gauche. C'est bien joué. Ça loue un petit peu plus dans le dur à présent. Ouais, avec la projection de Bure et de Madi, ils attaquent quasiment tout le temps à 5.
plus les trois attaquants, donc ça fait beaucoup de monde à tenir hors jeu une nouvelle fois. Un changement qui se prépare du côté de Saint-Louis. On pourra malheureusement pas vous dire qui c'est avant de voir son numéro, bien sûr. Son numéro. Apparemment, ça se prépare. Il y a un joueur qui a enlevé son bas, en tout cas. Il y a faute. Faute de Malik Emtir. Ce début de deuxième période est un peu à l'inverse de la première. Grosse pression d'y faire. Exactement. À l'inverse de la première, là, ils ont beaucoup plus d'ambition. Exactement, très bonne analyse là, Antoine. Exactement ça. Voilà, et très intelligemment aussi là, Karim qui est parlé au duel. Romain Metzger très haut. Le duel encore une fois. Ils sont dans la course de Bekoé. Bekoé à l'entrée. Bien défendu. C'est hein. Défendu. Attention maintenant. Là maintenant, c'est là il faut voir la vitesse. Elle est rapide. Voilà, et pas de risque pris par Marco Rosenfeller. Mais quelle rapidité encore une fois, Axel Bidouzo. Très 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 bon joueur. Hein. Vous le diriez. Ah ben voilà. Changement du coup du côté de Saint-Louis avec sortie du numéro 10 Kassem Amaouche. Et c'est l'entrée du numéro 13 Marwan Assad. Donc, on ne connaît pas forcément les postes des joueurs, mais je pense changement poste pour poste. Hein, de toute manière, pas trop d'ajustement à ce niveau-là à faire. Alors, on disait. Quelques personnes sont quand même venues à la mi-temps nous demander justement qui était ce numéro 7 de Saint-Louis, Axel Bidouzo. Il a fait très forte impression ici hein, sur le synthétique du Parc des Sports avec sa vitesse et puis sa provocation. Pas passé inaperçu hein, le jeune homme. Hein. Non, tout à fait. Hein, vraiment très bonne première mi-temps. C'était vraiment lui qui a porté le plus de danger. Donc attention à lui. Maintenant, il a permuté. On peut le voir du côté de Karim maintenant. Et voilà, on le retrouve. Hein, le ballon est passé. Ça va sortir. Non, il l'a sauvé, il l'a sauvé, très juste. Et on le retrouve maintenant. Touche pour le FR Agno. Ah, dommage. Quentin Bure qui va harceler le numéro. Allez. Solide le numéro 6. Et là ils sont en difficulté. Mais ça sort bien, très lucide. Attention là-bas côté droit de la défense. C'est bon. Pas de risque. Reda, faut qu'il calme ça. Il le sait. Et c'est ce qu'il fait. C'est bien joué. Mais là ça part. Hein. Et le ça gros part, ballon hein. Par-dessus, ça part, il y a hors-jeu. Hors-jeu signalé par l'arbitre. Il est bien placé, hein. Il a dû le voir. Changement du côté du FR Agno, sortie du buteur. Le numéro 9, Okena Onuizurumba, et l'entrée du numéro 17, Zoumana Kone. Poste pour poste. Hein. En effet. Poste pour poste, les deux numéros 9 du club. Pas évident quand même ce match pour Okena. Il est tombé quand même comme deux clients, deux gabarits entre le numéro 4 Fadel Niang et le numéro 5 Jude Varsovie. Vraiment deux gros gabarits. Mais il a quand même su égaliser. En... Les matchs d'Okena sont jamais évidents. Non, c'est pour c'est lui, vrai. Parce qu'il a un gros physique et un gros truc. Il joue beaucoup dessus. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, voilà, il y a des souvent clients. Des clients. En face. Mais bravo à lui, hein. C'est pas comme tu l'as dit, c'est pas facile. Et puis,
pour le connaître un petit peu, voilà, de par son rôle dans le club, c'est quand même une personne super sympa. Ouais, et ça me fait plaisir qu'il ait marqué un but aujourd'hui. Ouais, ça doit lui faire du bien, ça fait très plaisir. Très important, ouais. En plus. Hein. Ouais. On se connaît, hein, qui va avoir l'occasion de se mettre en évidence dans cette dernière demi-heure. Ça ferait du bien aussi au moral à Zoom de marquer un but important pour le FRH. Même profil hein, que Okena. Allez, ça c'est bien joué, ça dédouble avec Madi qui est partout. Mais ça va sortir en 6 mètres. Il faut être sur la récup. Premier, deuxième ballon. Il y a une faute là de Reda, on a entendu claquer. Hein. Petite faute en se retournant. On est en retard, c'est pour ça qu'il fait faute. En retard, personne n'allait au duel avec Ibrahima Diallo. Qui lui par contre il y va sur tous. Hein. Tous les duels, il sait que c'est son point fort. Donc, il ne doit pas faire loin de. Voilà. Ça c'est du 1m90. Oui. Je dirais. Oui. Il doit les avoir. Il doit les avoir, oui. C'est assez impressionnant quand même, vu d'ici. Attention, c'est le genre de coup franc dangereux, ça. C'est un peu bâtard. Hein. On peut partir dans tous les sens. Ça va être tiré rentrant ou sortant. Sortant, on dirait. Il y a qu'un tireur. C'est sortant. En effet, ça peut paraître anodin parce qu'il y a quand même quarantaine de mètres, mais bon, si c'est bien tiré avec les gabarits. Effleuré, une petite déviation. Ouais, je pense que les gardiens. Faut rester sur ses gardes, d'autant plus que tous leurs coups francs ont été bien tirés jusqu'à maintenant. L'arbitre qui bronche pas, malgré un joueur qui s'est effondré un peu dans la surface. Une petite main peut-être. Non, faut pas réclamer, il faut jouer, l'arbitre Pierre a passé. Qui sort, voilà, et qui enfin peut relancer un petit peu vite pour avoir du rythme. Et là c'est bien joué parce que c'est passé s'il avec Découé, s'il l'a vu, dommage, pas tout de suite, et le corner. Il obtient quand même le corner. Mais voilà, un petit peu de rythme tout de suite et ça change un peu. Hein. Ouais, cette contre-attaque plutôt amorcée par Pierre Bédé qui a relancé très vite sur le côté. Ce qu'on n'a pas vu une seule fois lors de la première mi-temps, une relance rapide. C'est là aussi où les organismes peuvent souffrir un petit peu des deux côtés, hein. C'est le replacement, le froid qui commence aussi tout doucement à arriver, le soleil qui tombe se un petit couche peu, ouais. Tout doucement. On voit maintenant un peu de taille avec Reda, numéro 14. Recorner. Recorner avec Quentin Bure qui était au duel avec. Alors Quentin, un des plus petits joueurs de l'effectif au duel avec le numéro 11, Ibrahima Diallo. Assez sympa l'image. Là par contre, Reda et Zoumana Kone pourraient faire parler leur taille. Hein. C'était bien frappé, Yamin. L'arbitre était très proche, tout le monde. Yamin, donc pénalty pour le FR Agno. L'arbitre était bien placé. On a vu tout le monde tout de suite lever. C'est vrai que ce ballon qui traînait dans la surface. Et donc, main et un pénalty sifflé pour le FR Agno. Erwan qui a pris le ballon dans les mains va certainement le frapper pour se rappeler au beau souvenir du match de la semaine dernière. Hein. Oui, c'est déjà lui qui l'a frappé à la 91e hein, contre le FCK. Ouais. Voilà, il a pris ses responsabilités là de même. Donc, voilà, ça discute un peu. Hein. Tout le monde n'a pas l'air vraiment d'accord. On va pas se prononcer, mais bon, l'arbitre était bien placé, on a vu que tout le monde... Non, d'ici, c'est vrai que c'était pas évident de le voir, mais tous les joueurs de Agnès sont tout de suite tournés et l'arbitre a sifflé quand même rapidement, donc... Et Erwan Madi, donc, qui va poser ce ballon. Il l'avait tiré à droite du gardien, il me semble. À droite du gardien, contre-plié parfait. Donc, allez Erwan.
pour donner davantage au FR Agno alors qu'on joue la 67e minute. La deuxième mi-temps passe un petit peu plus vite, je trouve, hein, que la première, et peut-être un petit peu plus de rythme aussi. Les dernières consignes de l'arbitre aux gardiens ainsi qu'aux joueurs aux abords de la surface. Et c'est donc Erwan Madi qui va se charger de. Faut être sûr de frapper. Soi. Hein. Faut être sûr de soi. Coup de pied de réparation. Hein. Il va pas trembler. Erwan, il va pas trembler. Parti. Les gardiens qui sautillent. Voilà, et c'est but. Encore une fois, un contre-pied, Erwan. Plein de lucidité, hein, plein de sang-froid. À gauche du gardien cette fois. Voilà, pénalty croisé, imparable. Bien frappé de la part d'Erwan Madi. Il avait eu un petit mot envers nous, hein, au début du match. On a toujours une pensée pour ce joueur très sympathique. Erwan Madi qui donne donc l'avantage au FR Haguenau, 2 buts à 1. Ça discute encore un petit peu du côté de Saint-Louis avec monsieur l'arbitre, monsieur Roth. Après, on peut les comprendre, hein. C'est vrai que ça ne fait jamais plaisir, peu importe les circonstances ou quoi, qui est faute, main, pas main. Ça fait jamais plaisir de se faire siffler un pénalty. Surtout sur une main, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident de l'encaisser, mais bon, voilà, il faut continuer. Hein. Il reste quand même au moins 20 minutes dans le temps réglementaire. 20-25 minutes. Il y aura du temps additionnel sans doute. Hein, donc. À eux de rester concentrés. Et on fait confiance à nos rouges du FR Agno qui sont vraiment bien rentrés dans cette seconde période. Hein. Tout à fait, une toute autre dynamique. Vraiment, là, ils sont venus conquérants. Il y a du mouvement sur le banc de Saint-Louis. Oui, bien vu, Manu. Ça va changer. Hein. Et là, on gagne les duels. Il y a un jeu de main hein, de. De la part des zones, dommage, Dembélé s'en est pas sorti. C'est bien dégagé, ça. Ça permet au bloc de remonter. Hein. Il cherchait personne, hein. C'était vraiment pour faire souffler. Et ça relance court du côté de Saint-Louis. Ouais. Non, tout de suite, le FR Agno, je ne sais pas si tu as remarqué, ils ont tout de suite reculé. Hein. Là, on cherche beaucoup moins haut. Regarde où on est déjà. Notre. Mais le bon, regardez, le bon pressing hein, de Koné. Ouais. Certes, on est un petit peu moins haut, mais là, Zoom, il a fait son taf. Hein. Ouais, bel effort. Clairement, sacré retour. Hein. Bel effort. Là, on voit qu'il y a de l'envie. Ça commence un peu à s'animer aussi au niveau des bancs. Hein. Il commence à y avoir des discussions, des encouragements. Alors que je pense que le changement, double changement va avoir le double changement même. Bien vu Antoine, non pas encore, on l'a joué. Et Koné qui n'est pas hors-jeu. Pas hors-jeu, il va pouvoir y aller, il y a Dembélé qui vient avec lui. Dommage, ballon un peu trop poussé. C'est fuyant, c'est un synthétique, ça. La balle prend de la vitesse. Voilà, changement, donc, et là ça va être un changement. Alors attendez, le numéro 5, le buteur, donc Jude Varsovie qui sort. Par contre on nous a annoncé le 10 entrant, mais le 10 ne rentre plus. Il était déjà sur le terrain. Vu qu'il est sorti. Il y a une petite faute là, je pense, au niveau du tableau d'affichage. Le numéro 7 sort aussi du coup. Hein. Ah, le numéro 7, notre ami Axel Bidouzo. Qui sort en double changement. Le 5, Jude Varsovie, le buteur. Et le numéro 7, Axel Bidouzo qui sortent. Et au niveau des entrants. Allez, ces messieurs. Ah, il a failli se tourner. On n'était pas loin. Donc. On va vous le dire, hein, dès qu'on. J'ai l'impression que c'est poste pour poste. Hein. On voit, il y en a un qui se place. Pas beaucoup de changements. Donc, c'est l'entrée du numéro 14, Yacine Harar. Et le dernier. Allez, il va se tourner. Dès qu'on le voit, on vous le dit. De toute façon, c'est poste pour poste. Voilà, hein, le numéro 14, c'est à la place de Bidouzo. Et le numéro 12, Abdoul Adrissila, qui est rentré. Aussi beau gabarit. Hein. Mais c'est du poste pour poste, il n'y a pas eu de changement au niveau dispositif tactique de la part de l'entraîneur de Saint-Louis. Hein. Est-ce qu'il sera plus tendu ce coup franc? Non, toujours un petit peu, un ballon un peu flottant, qui prend pas trop de vitesse. Je ne sais pas si c'est ce qui permet d'être le plus dangereux. Reda au duel avec ce numéro 3, hein, Mamadou Camara. Et la faute a sifflé par Monsieur Roth. J'ai l'impression que ça va jouer haut. Hein, à mon avis, là, ça va balancer devant vers Koné.
risque pour personne. Attention au duel, Reda. Très intelligent. Bien joué, Karim Bellassen. Zoumana Kone qui concède la touche. Plus par maladresse qu'autre chose. Hein. Le ballon lui est retombé dessus. La bonne sortie de Karim Bellassen. Là, il a la bonne transversale de Reda. Vers... Ah là là. Elle était fuyante. Et elle tournait. Elle tournait pas... en l'air sur elle comme une toupie. Pas évident à prendre. Hein, c'est Gottfried qui est là, hein, qui a fait l'appel et qui est là, hein, qui a fait le. Il y a eu un électrochoc au niveau là en cette seconde période. Enfin, il y a une démultiplication des efforts en fait au niveau FRH. C'est assez impressionnant, hein. Quand même. On sent Saint-Louis aussi qui veut mettre plus de rythme. C'est clairement l'objectif là. Sauf que Saint-Louis fait un petit peu les mêmes erreurs que Agueno un peu en première mi-temps là, à l'image de ce ballon. Hein. Un peu envoyé forcé. Devant, un peu forcé, on cherche la profondeur. Et Marco là qui a un boulevard devant lui. Hein. Boulevard pour Marco. Décrochage de Madi. Ça joue avec Erwan, ça reste côté gauche, mais ça concède la touche. Jaune, ouais. Ça concède la touche malheureusement. Et l'effort d'Erwan hein, pour se replacer. Voilà ce qui permet. Koné qui va y aller hein, pour gêner, c'est bien joué. Et ils vont, voilà, c'est bien joué de la part de Koné. Un ça petit permet... peu de pressing, ça permet d'obtenir une touche bien placée. Ils vont pas se presser pour la faire. On voit Marco qui tape son plus petit footing. Bien évidemment, là pour la FRH, ce serait bien de marquer le troisième pour éviter le temps fort qui va sans doute arriver quand même du côté de Saint-Louis. Hein. C'est sûr qu'il y aura au bout d'un moment, il y aura le feu. Hein. C'est certains qui vont vouloir égaliser à tout prix. Ils vont jouer leur va-tout. Voilà, hein, ça c'est certain. Et on sait que n'importe quelle équipe peut être en difficulté. Hein. Quand une équipe joue son va-tout, surtout dans des matchs au couteau comme ça en Coupe de France. Hein. Voilà, bien en place les rouges. C'est pas évident, on voit la passe du 3 de notre ami Mamadou Camara n'était pas forcément mauvaise, mais avec le terrain ça rebondit un petit peu, et le 6 est tout de suite en difficulté, et Yeb Zine, alors que ça paraît anodin, mais sur ce terrain... Pas évident. Non, c'est pas évident. On voit que le ballon fait beaucoup de rebonds. Voilà, et ça presse, hein, ça presse, hein, côté Saint-Louis, on rentre dans le dernier quart d'heure de la rencontre. Ce terrain justifie quand même beaucoup la volonté des deux équipes de jouer assez verticalement, rapidement vers l'avant, de ne pas se mettre en difficulté à chercher à jouer derrière, à chercher à combiner. Exactement Antoine, ça c'est ton avis. Mais il faut se parler, hein. Entre Madi et Rosenfelder. Voilà. Et là Koné, il est fort. Allez Karim, là c'est parti. Là c'est parti, il a de la place. Hein. Là il peut y aller. Deuxième poteau. Dommage, c'est mal donné. C'est dommage, deuxième poteau. Il y avait Zoumana Koné qui a fait un appel. Et là il faut faire l'effort. Là il faut faire l'effort. Ce que fait Karim. Super retour et Bure qui est intervenu dans les pieds pour suppléer Karim qui était monté. Il va falloir être généreux, on est deux équipes, là les efforts, faut plus les compter. Hein. Antoine, toi comme moi, hein, on aimerait bien être là, hein, 8e tour du Tour de France, Coupe de France, c'est pas tous les jours. On joue ça, donc... Je pense que même ces joueurs sont en train de tout donner de toute manière. Bien sûr, t'as raison. Hein. Il y a un 32e au bout, donc c'est quand même assez incroyable. Il y a la fausse touche. Fausse touche, assez rare quand même. Assez rare à ce niveau, effectivement, mais signalé par l'arbitre assistant. Arrête de râler!
Et refausse touche. Encore une fois. Ça, ça pourrit un petit peu l'action. Voilà, faute sifflée contre, contre Saint-Louis. Tirage de maillot, on a l'impression contre, contre Reda. Faut rester lucide. C'est ce genre de fin de match, Coupe de France. Les deux équipes cherchent à se qualifier pour un 32e de finale. Il y a de la tension, c'est normal. On la sent monter de toute manière depuis quelques minutes à la tension. On joue la 78e minute actuellement. Donc exactement. On se rapproche quand même doucement du terme de cette rencontre, même si voilà, il reste quand même 10 long très ballon, grosses minutes. Long ballon, bien parlé, Pierre Ebédé. Je peux choper ça. Et ça a légèrement baissé de rythme. Hein. Ouais. Nous a imprimé quand même un gros gros rythme pendant 20-25 minutes. Là, ça a baissé. Il y a une petite main, mais c'est involontaire. De Fadel Niang. Il est frais, le numéro 14. Il tente de passer. Karim qui concède la touche. Ziné, le centre dans la surface. Il était et Bure pas qui mauvais, relance très propre. Un petit peu une petite erreur technique d'Erwan Madi là. Mais c'est pas grave. C'est pas. Peut-être continue avec le ballon. Bekoué qui est passé, mais qui concède la touche malheureusement. Faut monter, faut essayer de monter ce bloc. Ouh là là, l'erreur de Karim. Bon ballon là pour le numéro 9. Attention parce que c'est un 3 contre 4. La frappe et l'égalisation. Égalisation du FC Saint-Louis Nevègue. Grosse erreur de Karim Bellassène avec ce ballon dans l'axe perdu. Et l'égalisation du numéro 9, Dame Gay. Ballon contré, il me semble, hein, par Marco. Si j'ai bien vu. C'était peut-être Henri, bon Marco, Henri, bon, on est ballon contré. Hein. Pierre Ebédé qui est malheureusement lobé. Aïe, 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 aïe. Un coup dur. Coup dur là, hein, pour le FR Agno. C'est une leçon d'efficacité quand même de. Ah bah ils de, étaient une fois, hein. Hein. Ils sont venus une fois. Mais bon. Et là sur un coup du sort, voilà, une paire de balles au milieu de terrain. Voilà, ça se joue à ça des fois, hein. Juste une erreur d'inattention et puis voilà. Alors qu'il y a du changement côté Saint-Louis, sorti du numéro 6, Yeb Ziné. Et l'entrée, je pense, du numéro 14, Yacine Harar. Il est déjà rentré, Yacine Harar. Du coup, il est déjà rentré. 11, 13. Le 15 n'est pas encore rentré. Ça, c'est un changement côté du FR Agno avec la sortie de Dembélé. Fred Bekoé et de Zakaria Dembélé pour l'entrée de Thomas Bieri et Nsakala. Et Alexandre Nsakala. Surprenant. Sortie du buteur aussi, il me semble, numéro 9. Non, c'est une erreur du panneau d'affichage. Enfin voilà. Quoi qu'il en soit, deux buts partout. Ici, au Parc des Sports. Saint-Louis qui ne lâche rien, qui ne lâchera rien. Donc ça nous promet une très belle fin de rencontre. Quand même assez. Voilà. Un goût amer un petit peu dans la bouche quand même, parce qu'on avait un petit peu le match en main. Et là, c'est vraiment sur un coup du. Sur une erreur. Hein. Plus le ballon contré, le lob, voilà. Et oui. Mais allez, il nous reste 10 bonnes minutes quand même pour aller encore une fois chercher un résultat positif au terme du temps réglementaire. Hein. Un ballon qui va sortir directement. Merci, toi, frère,
Ah voilà, Koné qui a pris le dessus de la tête. Quentin Burke malheureusement n'a pas pu centrer en première intention sur ce coup-là. Touche pour les rouges. Pas évident pour Quentin de la remettre dans l'axe, celle-ci. Le ballon rebondissait, il a essayé de la maîtriser, mais pas évident. Ça apporte quand même une bonne touche. Sakala qui va aller chercher Zoumana Koné, je pense. C'était ce qui... ce qu'il voulait, et puis là, ouais, Koné qui se bat un petit peu de la tête, mais ballon qui sort en sortie de but. Alors qu'il y a des crampes du côté de Saint-Louis. Saint-Louis qui, si on devait en rester là, discuterait quand même deuxième séance de tir au but de suite. Hein. Ça montre une certaine force de caractère mentalement. Ils sont quand même allés gagner 9 tirs au but à 8 contre Hombourg-le-Haut. Donc ça montre qu'il faut rester concentré et lucide. Et puis là, ils n'ont rien lâché, même si c'était pas évident. Ils ont égalisé. Et puis là, je pense pour eux, l'objectif, je pense, c'est d'aller au tir au but. Hein. Ils vont pas non plus tout donner pour chercher ce 3-2, je pense. Je pense que là, de toute façon, les dernières minutes de la rencontre vont être assez crispantes. Hein. Les deux côtés. Je pense ouais, que aucune des deux équipes voudra vraiment se livrer. Il n'y a pas de risque. Attention, il est passé hein, le numéro 14, Yassine Harar. Un des nouveaux entrants. Attention. Oh là là, c'est au-dessus. Hein. C'est au-dessus. Genre de centre très compliqué. Hein. Un tiré ouais. Pour un gardien. Encore là, ça va, Pierre n'a pas le soleil dans les yeux pendant cette deuxième période. Attention, il faut pas trop prendre de risques non plus. Voilà, il arrive un moment où le ballon, il faut le sortir. Hein. Voilà, donc on ne l'avait pas cité, hein, mais c'est bien Elani Florian qui est rentré tout à l'heure, le numéro 15. Il est tout au bout du terrain là. Bien vu Antoine. Voilà, et là c'est un bon ballon. Là c'est un bon ballon pour Koné qui est plus rapide. Voilà, très sûr le capitaine de Saint-Louis qui botte en touche. Ballon, petit ballon dans le dos. Bélassène qui cherchait Bierry. Là ça a pu se poser de questions. Ça peut être dangereux, mais Scherrer qui veille au grain, bien joué à lui. Un ballon qui va sortir. En 6 mètres. On joue la 85e minute actuellement. Allez, il faut être à la réception pour les rouges du FR Agno. Ah, ça va être fait avec Bure. Zoumana qui fait l'effort. Il y a faute, je pense. C'est pas sifflé. C'est vraiment pas de chance sur ce coup-là parce que le tacle était assez maladroit, mais le ballon a rebondi sur le mollet de Zoum. Le juge de touche était bien placé. Les arbitres ne signalent pas. Donc pas de discussion possible. Et la relance ratée par Henri Scherrer. Voilà, il s'est intercepté par Reda Bellassène. Attention, hein, parce que là, si ça passait... Petite faute du numéro 8, Thiébi Yao. Pas forcément évident. Voilà, ça va jouer vite, ça c'est bien joué, attention. Ça... Il veut pas prendre le risque de la mettre dans l'axe. Hein. Il revient sur le côté. Bien arbitré là, encore une fois. Hein. Très attentif les arbitres. À ça. Ouais, pour revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, où il ne peut pas prendre le risque, oui, effectivement, je pense que le risque, on ne le prend pas deux fois.
on ne sait pas forcément ce qui se passe dans son dos, on ne voit pas tout. Ouais, c'est pas plutôt bien joué. C'est pas horizontal, c'est sûr que. Faut être sûr de soi. Faut être sûr de soi. C'est plutôt bien joué de la part de d'Erwan. De jouer en face et non pas derrière. Pas de faute, dit l'arbitre. Il faut accompagner Zoumana, il est quand même bien seul. Parce que Zoum est bien seul, ouais, tout à fait. C'est pas évident comme rentrée. Il est très seul là devant. J'aurais pu contrôler, je pense, Karim. Il avait la place. Je pense que Marco va faire une petite faute. C'est propre. Nsakala qui lance Koné. Il n'y a pas de hors-jeu. Il y a un petit peu de monde dans la surface. Première intention, centre de Romain Metzger, Thomas Bieri à l'extérieur de la surface. Rosenfelder. Il n'y a personne du côté droit. À droite. Alexandre fait l'appel. Ça, c'est bien joué. Et c'est corner. C'est corner pour le FRMNO. Corner, on dirait. Corner. Hein. C'est Marco qui s'avance. De plus en plus de monde aussi hein, sur le live YouTube. Là, 579 personnes actuellement. Merci encore une fois de nous suivre aussi nombreux. Allez, 88e minute. Marco Rosenfelder qui va botter ce corner. Bien frappé et bien sorti aussi par Saint-Louis. Faut être sûr là, Erwan, faut être sûr. Allez, ah, la paire de balles. La paire de balles d'Erwan. Et attention, attention, parce qu'ils sont 4 contre 4. 4 contre 4. Le centre et c'est coupé par Thomas Bieri revenu défendre. Et la faute. Ah là là. Faute et coup franc très 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 dangereux. 20-25 mètres. Coup franc pour Saint-Louis. Il n'y a pas eu de coup franc encore à frapper direct dans cette rencontre. Les esprits s'échauffent un petit peu. Hein. Petite charge dans le dos de Simon. Thomas Bieri. Voilà, attention, hein, attention, coup franc très très dangereux. Ouais, ça s'échauffe. Ça s'échauffe un petit peu entre le numéro 11, Ibrahima Diallo et Henri Ferrer. Ouais, comme on le disait, c'est fin de match. C'est et ça, c'est tout sauf bon. Tout sauf bon pour la fin de match. Voilà, l'arbitre qui convoque les deux protagonistes, il a raison. Il faut s'écarter, c'est pas nécessaire. Le match s'est bien passé jusque-là. Carton jaune pour les deux. Ça me semble juste. Hein, voilà, c'est... Monsieur Roth qui a vraiment tenu le match. Hein. Franchement, pendant 90 minutes, là, c'est fait respecter. Très bien, bien arbitré. Et donc coup franc très dangereux à suivre pour Saint-Louis alors qu'on entre dans le temps additionnel de cette rencontre. Il devrait y avoir 3 minutes peut-être Antoine. Je pense qu'il y aura au moins 3 minutes oui. Allez on va croiser les doigts. C'est le numéro 2 Abdelmalik qui va... Je pense que ce sera un coup franc à mon avis indirect. Hein. Il y a du monde en effet. Parce qu'il y a du monde. Hein. Peut-être un petit ballon par-dessus. Là, il va falloir être vigilant pour la défense aguenovienne. Hein. Non, c'est Romain Metzger qui est dans le mur. Un bon joueur de tête. En effet, indirect. Le ballon par-dessus. Ouais, il y a faute. Bon. Faute sifflée par Monsieur Roth. Bien suivi de la part de Karim qui a du coup subi la faute. Voilà, les Ferragno qui va pouvoir se dégager pour cette fin de match. À mon avis, on va tout droit au tir au but. Hein. Antoine, encore un petit peu de stress dans cette rencontre. Voilà. J'ai pas l'impression qu'une équipe va vraiment réussir. Qui veut laisser très très longtemps des arrêts. Voilà, ici c'est la fin de la rencontre. Pas d'arrêt de jeu. Quasiment pas. Du coup, pas laissé par l'arbitre. Et donc, nous dirigeons vers la séance de tir au but, mesdames et messieurs. Deux buts partout. Donc, fin du match. On rappelle les buteurs côté Saint-Louis. C'était le numéro 5, Jude Varsovie, et le numéro 9, Dame Gay. Et pour le FR Agno, on avait Madi Erwan, le deuxième buteur sur pénalty. Et Okena ou Nuzurumba qui avait permis à Agno d'égaliser.
Voilà, ce que je vous propose, mesdames et messieurs, on va juste boire un petit coup, on coupe le micro, on va vous laisser la vue sur le terrain et puis on revient d'ici quelques instants pour vous commenter la séance de tir au but. Merci. On met un peu la caméra sur nous là. Voilà, donc de retour Paris des Sports, on va vous faire vivre cette séance de tir au but en direct après ce résultat nul de but partout. On a vu des buts aujourd'hui. Hein. Et malheureusement, voilà l'égalisation. Malheureusement pour nous, bien entendu, l'égalisation de Saint-Louis est malvenue par le numéro 9, Dame Gay. Ouais, t'as raison, ils ont rien lâché, hein. Vraiment, c'était pas évident pour eux cette deuxième mi-temps parce que la Guenon a quand même mis un très gros rythme, hein, contrairement à cette première mi-temps, même si à la fin de cette première mi-temps ça allait un petit peu mieux, même si ça manquait de tranchant. Là, cette deuxième mi-temps c'était quand même à l'honneur du FR Agno, et puis Saint-Louis a fait le dos rond et puis quand même a su rebondir, hein, parce que voilà, ils menaient 1-0, puis égaliser, puis mener 2-1, donc relever la tête et réussir à égaliser, donc bravo à eux, et maintenant cette séance. De quel côté aura lieu la séance des tirs au but. Voilà, belle accolade entre les deux joueurs. Voilà, elle aura lieu du côté gauche. Côté gauche, donc côté habitation, on va appeler ça comme ça. Côté soleil. Et côté soleil. Peut-être justement pour éviter d'avoir, pour les gardiens, d'avoir le soleil dans les yeux. Je pense que tout c'est simplement. Ça. Tout à fait. On voit le premier tireur donc qui va s'élancer, c'est Romain Metzger. Important, hein, dans important une séance tout de suite de, le, de marquer tout de suite le premier tir au but.
que suivant nos dernières informations, dans le match qui nous intéresse en face entre Besançon et Mâcon, ce serait Mâcon qui se serait qualifié, 1-0. Je mets un petit peu à jour mes données pour voir ce qu'on nous annonce. Mais, bah, apparemment, hein, toujours 1-0 pour Mâcon. Alors, est-ce que c'est terminé? Fort possible. Donc un bel exploit, hein, d'une équipe de R1 qui sera certainement présente au 8e tour. Au 32e de finale. Au 32e de finale, excusez-moi. On espère, face à nos rouges et du FR Agno. Allez Antoine, c'est lapsus, hein, finalement au 8e tour pour nous dire que nous on en a toujours pas fini. Voilà, avec ces tirs au but. Fini. Romain Metzger qui s'élance donc pour ce premier tir au but face à Siegfried Aissi. Allez Romain. Ah c'est sorti par le gardien de Saint-Louis. Pénalty qui a été bien frappé pourtant par Romain. Très bel arrêt. Hein. Mais il est parti du bon côté. Ah là là, ça commence mal pour le FR Agno. Allez, c'est à Pierre et Bédé maintenant de sortir le grand jeu. Et de répondre, hein, du coup, à Siegfried. Avec, grande politesse à Siegfried ici. Face au numéro 8, Tibi Yao. Super. Va donc s'élancer face à Pierre Bédé. Ouais, très, 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 très bel arrêt. Le gardien qui est parti du bon côté. Voilà, c'est la loterie, hein, de toute manière, là, les tirs au but. Allez, c'est parti pour le premier tir au but de Saint-Louis. Grosse tension. Hein. Ah, contre-pied. Contre-pied parfait. Petit saut juste avant de frapper. Donc 1-0 en cette séance. Digne des Bruno Fernandez et autres Jorginho. C'est Marco Rosenfelder, le numéro 3. Qui va s'élancer. Ça c'est Siegfried ici. Le petit rituel là, de toucher la barre. Ouais, c'est pour impressionner. Voilà, c'est un petit peu pour se montrer. Allez Marco, hein, là il faut pas trembler. Il bouge beaucoup contrairement à ce qu'on a vu avant Pierre qui était statique. Il essaie de. Allez Marco. Voilà, contre-pied parfait aussi, hein, Marco. Bien frappé. Qui ouvre le compteur. But pour le FR Agno dans cette séance de tir au but. Numéro 9 pour Saint-Louis. Autour du deuxième buteur de Saint-Louis, deuxième buteur du jour, Dame Gay, qui va s'élancer face à Pierre Ebédé. On entend, hein, les encouragements pour Pierre. Pierre qui, on le rappelle, a fêté son anniversaire en début de semaine. Ce sera un beau cadeau pour lui de passer ce tour. Si en plus il peut être le héros, je pense que. Il signerait tout de suite pour arrêter ce ballon. Penalty assez atypique. On va quand même prendre un petit peu d'élan. Ouais, ça semblait un étrange. Un petit peu d'intox, hein, quand même du numéro 9. Contre-pied. À nouveau. Contre-pied pour le numéro 9, Dame Gay. 2-1 pour Saint-Louis dans cette séance, alors que Erwan Madi. S'élance pour le FR Agno. Va se présenter face au gardien de Saint-Louis. Et Erwan, ça ferait du 3-3 en Coupe de France, hein, pour Erwan. Sur les pénaltys, encore faut-il le marquer. Allez. Là, c'est vraiment important de rester au contact, hein, de Saint-Louis et de racoler à 2-2 en sachant qu'on a un tir au but en plus. Ouais. Si Erwan le met maintenant, c'est là, ça... très important. Très important ce tir au but. On voit le gardien de Saint-Louis encore faire un petit peu d'intox, hein. Ça discute avec l'arbitre, ça retarde un petit peu le pénalty d'Erwan. Ça fait le premier pénalty, hein. Il l'avait tiré à gauche du gardien, hein. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Il a tiré à droite maintenant. Contre Hambourg, le FCK pardon, à gauche. Allez, avant, Erwan qui va s'élancer.
Voilà, contre-pied, une fois à gauche, une fois à droite et une fois à gauche. Bravo. Solide. La seule fois que le gardien est parti du bon côté, il l'a quand même sorti hein, lors de cette séance de tir au but. C'est Romain qui a manqué son tir au but alors que là, le grand Ibrahima Diallo de Saint-Louis va se présenter face à Pierre Ebédé. Saint-Louis qui avait déjà vécu une séance de tir au but au tour précédent face à Hombourg. On le rappelle, séance interminable, hein, gagné 9-8 il me semble Antoine, c'est ça? En effet. Allez Pierre. Ah là 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 là. Bien tiré encore une fois. C'est très 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 bien tiré. Ce serait intéressant de voir le ralenti parce qu'à mon avis ça passe pas loin des gants de Pierre. Hein. Ouais, cette main droite qui essaie de chercher au sol, hein, mais justement il l'a pas levé. Et du coup c'est là où c'est le plus loin pour le gardien d'aller chercher complètement au sol. Donc bien joué au 11. Ibrahima Diallo. Ouais, c'est Quentin Bure, le numéro 8 du FRH qui va s'élancer face à Siegfried ici. Tenter de rester au contact. Hein. On rappelle que le FRH a loupé son premier tir au but. Pour l'instant on a un but de retard. Donc quatrième tir au but. Pour on voit le gardien de Saint-Louis encore qui retarde encore une fois un petit peu le tir au but en frappant sur la barre. Assez atypique. Il faut pas se laisser déconcentrer. Hein. C'est vrai qu'il, on a confiance en beaucoup. Quentin quand même. Allez Quentin. Voilà, magnifique en plein centre. Bien frappé. Allez, 3 partout. Mais avec un tir au but manqué pour le FRH. C'est à présent Marwan Assad qui va s'avancer face à Pierre Ebédé. Allez Pierre, ce serait vraiment intéressant qu'il nous sorte quelque chose là. Pour continuer à nous faire rêver dans cette Coupe de France édition 2020-2021. Il faut garder son sang-froid. Hein. Ouais. Plus ça avance. Allez Pierre. Plus c'est difficile. Ah, c'est bien. C'est bien tiré, franchement ça tremble pas beaucoup. Hein. Parce que même le pénalty manqué de Romain Metzger s'était bien frappé. Et là, attention, hein, messieurs, attention, parce que là c'est qui tout double. Hein. Si Henri Marc Saint-Louis frappera son cinquième tir au but. Par contre, s'il rate, ça sera fini pour le FR Haguenau. Et la qualification de Saint-Louis au bout. Donc Monsieur Siegfried, notre ami le gardien de Saint-Louis. Grosse pression. Allez, sur Henri. Les épaules des deux joueurs. Ouais, ouais. Pression aussi bien sur le gardien que sur le tireur. Hein. Allez Henri qui va s'élancer. Ah c'est bien tiré, mais encore une fois, il était pas loin. Hein. Il a plongé du il bon était côté, pas loin. Mais comme. Ouais. Comme le numéro 11 c'est... avant, Ibrahima Diallo, il a tiré au sol et puis... Et donc c'est donc le numéro 2, Abdelmalek Mtir, qui a l'occasion de qualifier son équipe pour le tour suivant. Abdelmalek Mtir a l'occasion de qualifier le FC Saint-Louis-Nevègue en jaune aujourd'hui. Un exploit de Pierre Ebédé là, pour réussir à retarder l'échéance et continuer cette séance de tir au but. Allez Pierre, on est avec toi. Allez. Allez, c'est marqué. Il tremble c'est pas. C'est marqué, c'est du 5 sur 5. Le football club Saint-Louis-Nevègue reçu 5 sur 5 lors de cette séance de tir au but. C'est cruel, malheureusement, pour le FR Haguenau. Éliminé donc lors de ce 8e tour de la Coupe de France. Au bout du suspense, au tir au but. Voilà. Et Saint-Louis qui va continuer donc sa route dans cette compétition. Voilà, malheureusement pour nous. Et on leur voilà, on les félicite tout de même, cette équipe de. Cette équipe de N3 qui n'a rien
qui n'a rien lâché. Qui n'a pas démérité. Ils n'ont pas démérité parce que le jeu a été pratiquement égal lors de toute la rencontre. Hein. Beau match. Un beau petit match de football, Antoine. Je ne sais pas ce que tu en penses. Voilà, certes, là. On a vibré. Franchement, il y a eu de la tension tout au long du match. Très déçu que ça s'arrête pour nous. Parce que, voilà, on espère toujours aller un petit peu plus loin. Et oui, le plus loin possible dans ce genre de compétition. On pense notamment à Romain Metzger aussi, pour qui ça doit être très dur. Là, il a loupé son tir au but, mais voilà. On a fait notre match. Il a fait son match, ça fait partie. Hein, c'est pas, ça c'est en pas, fait partie, on lui apporte un petit peu de soutien et on apporte... Personne lui en veut, hein, ça j'en suis sûr. Voilà, c'est tirs au but, des fois ça se rate, voilà, c'est comme ça. C'est la loterie et puis c'est le club du FR Agno va relever la tête. On rappelle aussi qu'il y a un redémarrage éventuel du championnat qui peut être prévu courant d'année. Quand même de la N2 où le FR Agno est 3ème. En N2 ça devrait reprendre. Hein, match de retard. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, on félicite grandement et on souhaite bonne chance à Saint-Louis pour la suite de cette compétition. Et puis on vous encourage aussi toutes et à tous à vous abonner à la chaîne YouTube. Le compte Facebook et puis les comptes Instagram FR Agno officiel. On vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui et puis on espère vous dire à bientôt. On espère aussi vous revoir autour d'un terrain de foot. Puis je sais pas si tu as un petit mot de la fin, Antoine. Non, voilà, féliciter encore, les deux équipes encore une fois. Mais c'est vrai que très beau spectacle aujourd'hui. Donc félicitons les arbitres aussi qui ont bien tenu la rencontre. Ouais. Et voilà, tous les bénévoles qui étaient là. Donc pas seulement les acteurs sur le terrain. Donc merci à tous. Et puis comme tu l'as dit, espérons à très vite autour du rectangle vert. Très vite autour d'un terrain ou dans une salle de sport. Et puis prenez soin de vous, mesdames et messieurs. Faites attention. Et puis on vous remercie et on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.